J'ai pas compris. C'est oui. Et on se l'était dit depuis le début, pote. Je veux trouver les grandes demain et les aider à conquérir le monde. Gentlemen. J'adore la fin de la vidéo. Je vois ça. What you need? Comment allez-vous? On espère que ça va. Hey, je suis content. Tout le monde. On se retrouve déjà pour caster du ballon. Ouais, je suis trop heureux. Comment vas-tu, mon Brooks? Bien, et toi? Bah, super. Magnifique. Tout va bien. Dans ce beau temps parisien, non, il pleut. Et en ce moment, je te trouve hyper solaire. Tu es un soleil dans ma vie. Ouais, bah écoute, ça fait plaisir. Je c'est te vrai jure. Que je me trouve bien en ce moment. C'est le sport. Je suis dans une phase de ma vie. Je suis, j'ai envie de dire, un athlète. C'est la moustache. Ah, c'est la moustache. Moi aussi, mec, je fais du sport de fou. Excusez-nous, on compense, ouais, on compense vrai, les... Aïe. Là, il est présent. Mais ce gars-là doit aller en garde à vue. Les gars, on compense les loose valo par le sport. Voilà, ça vous va? Non, ça va. Mais c'est une loose valo, une loose valo. Imagine, on fait un pacte et avec tous les ultras, dès qu'on loose valo, on fait 3 séances dans la semaine. On va se retrouver, on sera tous comme ça. Bah, moi, je suis à 5 voire 6 séances dans la semaine. Ouais. Mais ça se voit. Là, là le hoodie va craquer. Mais... Je vous le dis, ça se voit carrément. Donc, ils n'ont pas trop d'espace pour m'infliger des séances. Ah oui, il reste plus rien. Tous les séances sont prises, il n'y a plus rien. T'as tout donné. Bah bravo, mec, c'est incroyable. Non, on est full sport. On s'est lancé là-dedans après la loose du kick-off. Les ouais. deux loose du kick-off. Ouais, carrément. Bon, bref, allez, les gars, aujourd'hui, c'est reset mental. Aujourd'hui, on affronte Fnatic. Alors, pour ceux qui ne suivent pas Valo et qui n'ont pas suivi les deux dernières années, Fnatic, c'est une équipe en IMIE, c'est l'équipe la plus mythique de notre région, VCT IMIE. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une run exceptionnelle. Ouais. C'est pas la saison dernière, c'est celle d'avant, je crois. C'est... Saison dernière, c'est Loud qui a tout baisé, c'est il ça. Me semble. Mais ils ont gagné un major. En fait, ils ont gagné un major contre Loud. Je crois que c'est la saison dernière. Hein. Attends, non, c'est la saison dernière. Ouais. En fait, je confonds, les splits et les années, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est dur dans l'esport. Comme il y a deux splits, voire trois selon les jeux. En tout cas, ils étaient en finale contre Loud et ils avaient fait un run, un comeback historique où ils étaient menés 11. 3 je crois, si je dis pas de bêtises, ou 12-3, 11-3, et ils ont remonté, ils ont tout remonté suite à un temps mort de leur coach qui leur a parlé et qui les a détendus au maximum en mode, les gars, qu'est-ce qui vous arrive, je vous reconnais plus, faites comme en scrim, vous savez très bien comment on doit jouer, j'ai pas grand chose à vous dire, vous savez déjà il jouer. Il est sorti il y avait l'intervention, la voice com, elle est sortie. Il y a pas vraiment une voix posée, calme, en mode, mais il y a 2-2, et ça les a vraiment posés, ça les a vraiment calmés, ils ont dit, vous savez tout bien, tout ce que vous avez à faire. C'est bien joué, comme d'habitude. Comme on fait en prac. Ouais, je comprends. Tu trades, c'est tu beau. Changes. C'est beau. Et du coup, ils sont montés petit à petit et ils ont réussi à comeback et prendre le major contre une très bonne équipe de Loud qui a finalement, eux, pris les Worlds quelques mois plus tard. Mais c'est une équipe composée d'énormes talents. Énormes talents, énormes joueurs. Le roster n'a pas changé d'ailleurs depuis cette époque-là. C'est leur le même staff. C'est leur staff, du coup, leur coach mythique qui est parti. Okay. Donc, ils ont un nouveau coach. Peut-être pour le moment, en tout cas de ce qu'on voit jusqu'à présent, une énorme perte pour eux parce qu'on a ressenti un Fnatic un peu peut-être stagnant, qui n'ont pas réussi à passer un cap, qui se sont un peu fait rattraper par les autres. Ils sont pris 2-0, 2-0 je crois par la KC, il me semble. Ils ont pris 2-0 par la KC. Ou oui, 2-1, non, je crois que c'était 2-0. Hein. En tout cas, ils ont perdu beaucoup de matchs où on pensait, on les voyait comme grands gagnants. Donc grand favori de la ligue à la base avant que KC rayonne lors du kick-off. Donc 2-0, ouais. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est incroyable de me dire que cette équipe que je suivais quand on était encore en Ligue Nationale, aujourd'hui, on les affronte en VCT. Quoi. On les affronte. Et regardez, j'ai beaucoup rêvé de... On parle d'eux, ils sont là. Ah, dommage. Ça vient beaucoup rêvé de ce duel Takas-Derke. Takas-Derke, c'est un duel qui me fait... qui me remplit d'excitation, de joie. Derke, qui était pour beaucoup le meilleur joueur du monde, un des top 3 meilleurs joueurs du monde, même si pour moi, je sais que ce n'est pas la force de Fnatic. Pour moi, la force de Fnatic, c'est vraiment Léo,
qu'on va suivre aussi aujourd'hui, qui est un joueur. Buster, moi, leur IGL, je le trouve leur in-game IGL leader. Qui est très créatif. Je le trouve très créatif, très calme. Il s'adapte très bien, en fait. Il arrive bien à s'adapter en plein donc, game. Autant la macro, on vous parlait de la macro de Cassé la dernière fois, qui n'est pas extraordinaire, mais par contre, leur discipline et leur niveau de clic est légendaire. Bien sûr. Autant Fnatic, c'est une équipe qui a beaucoup plus de macro. Ils ont beaucoup plus de macro. Ouais. Ils ont un firepower énorme. Donc, il y a leur sentinelle qui est Alphageur, qui est un Turc. Hein, les Turcs, on sait, sont très forts individuellement. Ah, clic, donc lui, il a dit, hein, c'est pas un joueur très intelligent. Il connaît ses forces. C'est pas un joueur très intelligent. On voit un petit résumé là de. Par contre, c'est un joueur qui clique très 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 fort. C'est en fait, il va. C'est une sentinelle qui va assumer de pas être le mec le plus intelligent, mais par contre, il va se dire, ok, son BP, mon but, c'est d'en prendre au moins deux. Donc il va faire ça. Ils ont un booster, comme tu as dit, un très gros leading game qui s'adapte très très vite, très très fun aussi. On le voit très. C'est un créateur de contenu de base. C'est pour ça qu'il a ce côté aussi très divertissant, etc. Ouais. Il est très aimé. Il fait toujours fans. Des petites danses. Exactement. C'est un fan de K-pop. Il fait des danses. Exactement. Il rentre avec des peluches. Exactement. C'est un mec très fun. Hein. On a Léo qui est pas très expressif, mais voilà. Pour moi, je dis que c'est le meilleur de cette équipe parce que c'est un peu celui qui. C'est pour ceux qui suivent le foot, c'est un peu leur Xavi Iniesta. C'est-à-dire que s'ils sont dans un bon, il est dans un bon match. Ça va être très compliqué parce que c'est le mec qui voilà qui c'est un peu leur équilibre quoi, c'est un peu leur équilibre. Et après voilà, il y a un énorme clicker aussi qui est Chronicle, qui est vraiment plus à présenter. C'est vraiment un mec très très fort. Il est c'est un peu leur homme à tout faire. Je suis d'accord, je vois quelqu'un qui dit il est sous-côté Chronicle. Je suis d'accord, non, il est moi je il le est, vois très bien, je vois très bien il comment est très il est fort dans beaucoup de situations. Il a sorti l'équipe de rounds assez compliqués. Chronicle, il fera pratiquement tout en son match, tu vois, le mec un peu leur Xavi Iniesta, Chronicle, Léo. Donc si tu arrives à les déstabiliser eux, tu vas faire un très très gros match. Là, j'ai vu que cette année, dans ses débuts d'année, Léo, il a un peu de mal à se mettre dedans. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à trouver ses marques ou peut-être qu'il n'est pas sa préparation, il n'est pas assez bonne, j'en sais rien. Mais nous, de notre côté, on n'a pas à avoir peur. On a toutes les armes qu'il faut. On a un superbe coach. On a un Takas. Qui est en superbe forme, qui clique beaucoup, qui clique au visage, qui sait cliquer. On va avoir notre Nathan qui est vraiment la fougue. Ah, t'as non, je vais mettre la clim. Vas-y, okay. continue. Nathan qui est vraiment la fougue de la jeunesse, un énorme cliqueur aussi. Donc notre firepower, il va vraiment se baser sur Nathan, sur Takas et Logan. Et Logan qui clique, Logan dans un bon jour, c'est vraiment, il est très très effrayant. Attention, il est très très effrayant. Donc là aujourd'hui, on a un peu comme vous, on n'a pas vu la préparation des joueurs. Moi j'étais pas à Berlin, on va découvrir après la préparation des joueurs. Après, vous inquiétez pas, on les a pas laissés tout seuls, ils sont bien entourés par le staff, par la performance, qui sont avec eux sur place. Donc je ne m'en fais pas. En tout cas, j'espère. Moi, ce que j'ai envie de voir aujourd'hui, c'est de la niaque. C'est de la niaque. C'est des rounds difficiles pour Fnatic. Je veux que chaque round Fnatic, ils se disent, waouh, hey, ils nous laissent rien là. C'est dur, tu vois. Ouais, c'est je suis dur, d'accord. Ils nous laissent ouais, rien. Je suis d'accord. Les mecs, ils ont trop faim là. Ouais, je suis et d'accord. Ils sont capables. Ils sont capables. On a battu ce qu'on a appelé. La Fnatic Academy qui Gotha était arrive, Apex. Hein, il est en route. La Fnatic Academy qui était Apex, on dit ça parce qu'ils avaient trois anciens joueurs de chez Fnatic. Oui, c'est vrai que c'était la Fnatic Academy. Donc c'est Poster qui avait appelé, ils jouent contre la Fnatic Academy. On a réussi à montrer qu'on avait l'étoffe de champion, qu'on savait montrer notre meilleur niveau dans les meilleurs moments. Donc moi, j'ai vraiment envie de voir de la combativité. Quitte à avoir des rounds catastrophiques, tu vois, des rounds où c'est un peu bordélique, mais je veux du combat. En fait, à force d'exiger de la discipline et de la micro pour nos joueurs dont c'est pas la spécialité, j'ai l'impression qu'on les a un peu castrés sur leurs points forts. Bridés dans la folie. Ouais, bridés dans la folie et dans la prise d'initiative ouais, et dans sûr. La, tu vois, dans le qui nous attend, dans les rythmes. J'ai qui nous a fait gagner ouais. tant de rounds et de games l'année dernière, cette petite folie qu'ils ont, surtout ouais, Nathan. C'est bien, c'est clair. Et donc je me dis, bon bah en fait, j'aimerais un entre-deux, c'est-à-dire, ok, la petite folie, le truc, mais à partir du moment où on est en supériorité numérique, switcher en mode discipline. C'est ça, en fait, arrêtez savoir, de multiplier les 1v1. En fait, il faut savoir arrêter à quel moment il faut placer cette discipline. Il faut savoir à quel moment il faut placer cette discipline. Évidemment, quand tu es en attaque, c'est jamais très bon de proposer tout le temps les mêmes styles, le même style de jeu. Ça veut dire que nous, par exemple, on est déjà tombé en VRL contre des équipes qui jouaient très lentement. Ça veut dire que tu savais que pendant les 30 dernières secondes, elles vont se mettre à attaquer. Et là, tu vois, c'est en fait,
ça devient facile à contrer quand les joueurs font que ça. Parce qu'en fait, finalement, t'envoies une reveal ou un couteau caillot et tu sais que quand il reste 20, 40, 30 secondes, c'est à ce point-là qu'ils vont attaquer. Ouais. Donc tu mets toutes tes forces ici. Ouais. Le but, c'est de réussir à faire des runes un peu rythmées, c'est-à-dire attaquer lentement, ensuite attaquer, re-attaquer lentement, attaquer vite d'un coup pour pas leur permettre de s'habituer. T'as raison, et ce qu'on a vu la dernière fois quand on a joué contre Cassé, je trouve qu'on proposait souvent ce truc de fake un endroit puis aller à l'autre, mais l'erreur qu'on a fait. Mais dans le aller, mais quand on fakeait, on déposait personne. Exactement, premièrement. Exactement. Et deuxièmement, quand on retournait sur le site qui s'était vidé, puisque le fake avait marché, on était hésitant. Ouais. On perdait toujours 6, 7, 8, 9 secondes. Alors qu'on avait l'avantage alors de la position. Alors que le site est vidé, marché, on avait tous les avantages, toutes les cartes étaient dans notre main. Et puis voilà, il y avait ce truc de attends, on sentait un peu de peur, genre attends, peut-être qu'ils sont deux à pas voir Rota. Du coup, je mets ma flash ou je la mets là. Non, attends, je vais smoke. Et c'est 8 secondes de mini brainstorm pendant le switch bah, de site. Ils ont le temps de revenir. De et prendre un pic. Voilà, exactement. Et c'est ça qui nous a baisé. Donc j'aimerais un peu de. En fait, je sais pas si je veux de la folie, mais je veux de la confiance. Ouais, je veux qu'ils ça, croient en ça. Leur macro. Exactement. Croyez en votre macro. Exy, c'est un mec incroyable à cette partie d'échec qui est Valorant. Ayez confiance en votre macro. En et fait, si moi, ça me dérange pas de perdre. C'est quelque chose que je leur ai toujours dit. C'est la première chose que je leur ai dit à l'ascension. Je leur ai dit, les gars, ça me dérange pas de perdre. En fait, on vient ici, on gagnera pas tout le temps. Perdre ne me dérange pas. Moi, c'est juste la manière. T'es gentil. Moi, je t'avoue que avion Berlin prendre un 0-2. Oui, mais du coup, c'est ça la manière. Ça dérange quand même. C'est la manière. Oui, mais si t'avais pris, si t'avais pris, si t'avais pris 0-2, 14-12, 14-12, 13-11. Ah oui, ah bah oui, s'il y avait eu match, oui, évidemment. Tu vois, t'es en mode, ah, dommage, tu vois, c'est pas la même défaite. Mais je t'avoue, le 0-2, moi, il m'a... Et surtout, les gars, je vous dis la vérité, il m'a tué pour les ultras. Pour moi, les gens qui se déplacent, il y avait encore des mecs qui ont fait 10-12 heures de route pour venir. Ils se déplacent, ils prennent un 0-2. Lucas, tu es riche. Mais non, mais c'est pas du tout une histoire d'argent. Il dit ça, son nom c'est Rolex. Ça tire, bah. Et toi, tu prends ton time out. On est où là? Non, c'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent du tout. C'est une histoire de. Comment dire? Tu te mets dans une énergie, dans un mood, t'arrives et il y a un no match. Je pense que tu vis ça dans tous les sports. Quand il y a un no match, c'est infernal à regarder, tu vois. C'est, évidemment, tu préfères au foot quand ton équipe préférée, elle se prend 2-1 que quand elle se prend 4-1, comme hier, Barcelone. Je l'ai récupéré le lendemain à l'aéroport. Il était visage vide. Ah non, mais les gars, j'ai... En fait, c'est quand je me suis levé le lendemain matin que j'ai réalisé. Ah, là, je prends un coup, là. J'ai l'impression qu'il sortait d'une soirée, une soirée arrosée. T'es en mode, ah, là, je... Mais non, mais parce que moi, les gars, je crois en ce roster. Oui, il y a des trucs qui vont pas. Oui, il y a plein de gens qui disent, ah, VCT, c'est pas l'ascension et tout, hein, haha, bande de bolos. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense qu'ils ont un potentiel monumental, qu'ils bossent énormément. Et que voilà, il y a des trucs de micro-réglages à effectuer. Et pour le moment, ils ont jamais montré une game. Même contre BBL, on a gagné, d'accord. Ils n'étaient pas du tout à leur plein potentiel. M8. Bien sûr que non. Voilà. Et c'est ça qui me frustre. Je me dis, putain, mais quand est-ce qu'ils vont être à leur plein potentiel lors d'un match dans ces VCT, quoi. Et j'ai hâte que ça arrive. Ça va peut-être être aujourd'hui. Ça va peut-être être aujourd'hui. C'est de la confiance. C'est du. C'est un peu du. Limite du. J'ai envie de dire du je m'en foutisme, tu vois, genre en mode. Amusons-nous. C'est de l'amusement. En fait, faut qu'ils s'amusent. Moi, c'était les mots d'ordre que je leur avais donné après leur défaite à l'ascension. J'aurais dit, mais les gars, amusez-vous. Vous jouez. En fait, un jeu vidéo, c'est comme les sportifs. Finalement, leur sport, leur métier, c'est de l'amusement de base. Donc, si tu t'amuses plus dans ton truc, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, mais c'est dur. Je vais mettre le maillot, les gars, vous avez raison. Donc, amusez-vous. Amusez-vous, ouais, c'est ça que je veux. Amusez-vous. Mais évidemment, il y a des codes à respecter dans ça. C'est comme dans tout. C'est de la discipline. C'est comme au foot. C'est-à-dire, la discipline au foot, ça va être revenir en défense, faire les efforts. Donc, oui, on va souffrir, mais ils savent souffrir. Et on est obligé de passer par là. Faut juste leur montrer que on sait souffrir. Mate. Les gars, c'est bon. J'ai mis mon maillot et là je suis en mode Squeezie. Pardon. J'ai mis le maillot, là je suis en mode Squeezie VLR. Ligue Nationale Split 1 finale contre Mandatory, ça nous a porté bonheur. J'ai mon maillot Gen 1, j'ai perdu mon maillot rose, c'est pour ça que je l'ai jamais. Voilà, je vous le dis. Ouais, je l'ai perdu. Je sais pas où il est, peut-être qu'on me l'a. Ah oui, il y a une IA qui a été mise en place par Rizzo et quand tu dis maillot, il y a le truc qui apparaît. Ah ouais. Ouais. Mais c'est pas tout. À chaque stream, il nous ramène de nouveaux trucs, je vous le dis, c'est pas une blague. Mais c'est pas tout, j'aimerais aussi vous parler du bundle. Non.
Mais ce mec-là, c'est un, mais il est un monstre. Made Corp. Et attends, il y aura une petite surprise à faire à Gotha aussi, tu verras. Il y aura une petite surprise à lui faire. Vous verrez, il y a un autre mot qui active quelque chose. Vous verrez, c'est vous verrez. C'est un monstre. Vous verrez. Non, c'est un monstre, les gars. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a ah, mais pardon, ouais, on regarde, on va regarder le live. Je démute tout ça. Ah non, c'est juste là. On parle d'Emmitt contre BDL. We take a win real fast. Ok, ils font décortiquer un round à Nathan. Bah, j'espère qu'on joue pas cette map. En tout cas. J'aimerais bien ne pas la jouer non plus. Alors, en fait, c'est quoi vos strats sur Asset? Comment vous y prenez pour la post-plante sur Asset? Dans les post-plantes, on peut donner nos strats. Ça, y a pas de problème. Est-ce que tu peux venir nous montrer exactement comment vous jouez sur Asset? Il y a deux joueurs et vous utilisez votre wall sur A. Qu'est-ce que vous voulez achever avec ça? Nous voulons fake A. Mais vas-y, littéralement, elle lui dit donne-nous toutes tes strats. Mais c'est vraiment ça en fait. Mais c'est horrible, mec! Mais elle a reçu un chèque de Fnatic, c'est pas possible. C'est pas possible. What we're gonna do it? Or the fake is gonna work and they're gonna go B and it's gonna be fine. Mm-hmm. But Nathan qui nous présente la météo de ce soir contre Fnatic. Pas mal. Donnez plus de data pour Fnatic, on vous écoute. Un peu plus de data, s'il vous plaît. On a vu que vous étiez une équipe qui aime beaucoup la data. Fnatic aussi. Allez, envoyez. Il y a quelqu'un qui a dit Fnatic aussi peut donner leur strat ou. Eh, j'espère qu'il y a Poster après qui se ramène et qui fait la même. Ok, les gars, venez sur moi en A. On peut aller sur A, ils ont rotate, j'ai tout le A, vamos. Vamos. I love that you mentioned that, right? Because you just wait in this spot, and when you're going to ah ouais, take bah all that space, this vas-y. Is when you ult. Yeah, allez, vas-y. Nous aussi, on peut le faire, regarde. Allez, ciao. They're close, and then I ult to help, and so they can go on site easily. Non, en vrai, yes. Les gars, on rigole. Hein. Il donne pas de strat. Hein. C'est de la. C'est, il explique vraiment le truc level 1. C'est mignon. Bon, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ce qu'ils sont en train de regarder, Fnatic, ont déjà vu. Oui. Fnatic oui. Ont déjà décortiqué oui, toutes oui, les. Oui, oui, oui. Ils ont déjà tout analysé, clairement. C'est vrai qu'il est beau, ce mec. Il est beau, hein. C'est un mec. Trop de bon. Non, mais si je vous dis, les gars, je cherche des solutions. On va remettre un petit stock de roses en vente à un moment donné. Je suis choqué à quel point il est demandé. Ouais, moi aussi. Genre, ça on va, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai expliqué dans mon tweet. Le premier restock, il devait y avoir littéralement 10 fois plus de stock que ce qu'il y a eu dans le restock. Ouais. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont frustrés et qui n'ont pas pu l'avoir. Donc, c'est à nous de rattraper ça. Je comprends totalement, les gars. Donc, vous en faites pas, je bosse là-dessus. C'est vrai qu'il est beau des fois. Ouais, il est beau de malade. Ah, il est vraiment beau. Ils aiment bien mettre en face les DA et Gentleman à chaque fois. Ils aiment bien quoi? Ils aiment mettre en corrélation avec Gentleman. Un truc rose, ça. C'est pas juste un gros hasard. Et ça fait beaucoup de hasard. Ah ouais, ok. Non, mais je pense qu'ils aiment bien le maillot. Je pense qu'ils aiment bien leur plateau, t'as vu, cette année, c'est Gentlemate. Non, vous en faites pas. On va ressortir. On fera un mini. Ah, il est beau, le maillot. Il est beau. Mais sais-tu quel maillot est tout aussi beau, mon cher Brooks? Lequel? Ben, le nouveau. Le One Year Anniversary. J'ai le prototype juste ici. Non, il est beau de fou, les gars. Non, je suis désolé. Hein. Ouais, le maillot, il est. C'est le proto, hein. C'est le proto, c'est ce qui fait que tout est marqué trop bas, les gars. C'est un prototype. Regardez. Toute cette zone-là, là, elle devrait être plus haute. Mais les gars, je suis désolé. Le maillot! Là, il est frais. Voilà, super. L'IA marche. Mais en plus, il voit pas. Ah, mais tu sais que j'avais même pas fait attention qu'il y avait les petites. Je suis désolé, mec. Fleurs dans le petit noir, là. Attends, je vais essayer de le tenir et de. Là, il y a des petites fleurs aussi, là. J'avais pas fait attention. Oui, dans les lignes, il y a des petites fleurs aussi. Des petites fleurs, j'avais pas fait attention. Details. Guys, les details. Oh, attends, c'est l'entrée! Oh! One of the gentlemates are looking to pick up the pace. They might be the underdogs in this matchup, but they'll be looking to burn hot on the stage. Yes, that was a Phoenix reference and disrupt the black and orange. Coach assistants, he always looks at the smaller details of his opponents. But has he found the antidote to what Fnatic wants to do? Because they are here and they're going to try and keep the ball rolling all the way to Shanghai. A loss today could mean disaster, but Fnatic is back on track. So expect Fnatic. On choisit musique à la nouvelle. I'm looking at Jake there. I thought he didn't look at the sign. Allez, on y croit, les mecs. Il est fine.
They can hear us, okay. And this is a lot more serious now. Sorry, I like to stare at people's faces. It's become a problem in public. But the fist bump there, the whole thing, and we were just talking about gentlemen's steel, and you were a little bit pessimistic. Oui, elle est goofy. Putain, les gars, on est contre Fnatic. J'en reviens pas. Je suis ému de ce match, Théo. Je te dis la vérité, je suis ému de ce match. C'est incroyable qu'on joue contre Fnatic. Et ce qui serait incroyable. Brise. C'est Brise qui est notre map. Qui est une map, on est bon dessus, ouais. On est bon dessus. Eux, ils ont pris Lotus. Oh, Lotus. On a pris l'attaque. Ok, Icebox qui est ban. Et Ascend qui est ban, ça va finir sur split. Aïe, 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 aïe. Ça, j'aime pas. Ils ont une très bonne split. Ils ont une très bonne split. Ils ont une extraordinaire split. On l'a vu avec Alphager sur split qui passe sur Raid. Et nous, notre split, on l'a vu contre Cassé. Elle était pas au point. Après, ça a bossé entre temps, peut-être. Après, non, mais aussi, il faut le dire aussi, il y a des gameplays différents. Ça veut dire qu'il y a des équipes, tu préfères jouer contre des équipes par rapport à ton gameplay. Oui, oui, que d'autres, bien sûr. Et d'autres qui leur gameplay te posent plus de problèmes. Oui, bien sûr. On a ban Icebox, hein. On a ban Icebox, on n'a pas voulu rejouer Icebox. Fnatic ont une excellente Icebox aussi. Pourquoi on ban Icebox? C'est pas notre map. Bah voilà, parce que Fnatic ont une excellente Icebox aussi. Et je pense que Exy a jugé que c'était mieux d'aller partir sur Split que sur Icebox. Why not? Je comprends. Sur Split, on peut les surprendre, en fait. Avec ce qu'ils ont récupéré sur nous du match précédent et tout. Putain, on joue Fnatic, mec. It's time. On joue Fnatic. It's time. C'est incroyable, les gars. Ah, je suis hypé, allez. La cour des grands. Attends, je vais mettre un truc dans mon canal. J'ai la rien. La cour des grands, donc je vais voir des grands gentlemates. Ils se sont fait 13-4 contre Heretics. Mais Heretics, pour le moment, j'ai dit Fnatic ont du mal en ce début de saison. C'est pas la meilleure version de Fnatic. Évidemment, ils sont en train de grind semaine après semaine. Ils font des changements. On a vu Léo sur des persos comme Gecko qu'on n'avait jamais vu avant. Donc il avait lâché sa Sky à Chronicle pour aller sur Gecko alors qu'il a une excellente Sky. Donc oui, il teste aussi des nouvelles choses. Alors leur compo, ça va être une compo pratiquement miroir. Ils vont opter. Attends. Ah ok, nous on a un Phoenix et eux vont avoir un Kayo. Excusez-moi les gars, je mets le truc dans mon canal, j'ai complètement oublié. J'étais trop excité. Ok, j'ai envoyé dans mon canal avec mon iPhone cassé. Alors, excuse-moi, les compos, ça dit quoi? Ils ont un Kayo et nous on a un Phoenix. C'est la seule chose qui change. Après, okay. Sinon, ils ont un Kayo, on a un Phoenix, ok. Donc ils jouent quoi? Ils jouent double initiateur, une sentinelle, un smoke et juste un Yoru. Ils jouent pas double dueliste, ok. Et nous on joue à l'inverse, double dueliste. On aura les flashs de Phoenix et le wall de Phoenix sur Breeze qui est vraiment pas mal. Smoker, un initiateur, ok. Donc ils jouent double init, là on joue double dueliste. Allez mes champions. Allez les gars. Zen, dans la zone. Rentrez dans votre match, les gars. Allez les gars. Allez putain. Cassé? Non, l'iPhone est cassé. Pas Squeezie. Enfin, vous voyez bien que c'est M8 ici, là, regardez. Ouais, tonnerre d'applaudissements. Il arrive fin au début du match. Pour vos studios préférés. Basket. 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 Bundle. Basket. Oui, il a eu trop Maillot. Bundle. Ah, ça, c'est mort. Il n'y a que Basket. Basket. Ça marche plus. Toi, t'es vraiment un mage noir, c'est un truc de ouf. Vas-y, viens, on se décale. Et le match commence. Hop là, t'as ton casque là, je mets ton micro, boum. C'est parti, les gars. Premier round contre Fnatic. Bonjour à tous. Non, mais j'étais avec tout le monde en bas. Il y a du monde en bas en watch party là. Ah ouais? Bah ouais, il y a Nikov, il y a Sneezy. Tout le monde est là, les gars. Basket, tout le monde est là. Ils ont tous voulu voir mon crâne. Enfin bref. Putain, il y a plus, je suis abattu, frère. Ok, c'est parti. Derke qui a une pose de fou malade. Vous avez bien les gens. Attention, non, personne. Non, là, Knife. Knife Lamb. Oh non, les gars. Oh là 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 là. C'est très bien joué de la part de Derke. On a été très naïf. Ultra naïf. J'ai le mort. Voilà, je vous le dis.
J'ai le mort. Faut mieux que ça arrive tout de suite. Ouais, j'étais bien en bas, je pense. Bienvenue dans cette game de Valo avec un premier round déjà dans les annales. En fait, quand tu mets ton Wall Viper là, il y a tir à travers quoi, à cet endroit là, tu vois. C'est un peu comme, tu sais, je me le suis pris sur Bind celui-là. Non mais attends. Non mais en fait. Ah, ouais. Ah non, il est là depuis le début, frère. Il est là depuis le début, personne n'a check. Et ouais, faut pas être naïf les gars, c'est Fnatic en face, vraiment, on peut pas être naïf comme ça, c'est pas possible. Et là il va avoir c'est pas possible. Très tôt là, attends, c'est quoi le Yoru? Il va avoir un outil très très tôt, ouais. Là en plus c'est Yoru, hein. c'est dérangeant. C'est dérangeant, on commence en attaque, la dernière fois qu'on allait jouer en attaque, ça s'est bien passé, c'est l'une des rares maps qu'on a gagné pour l'instant au kick-off. Oh, le son, ah oui mais je suis obligé de laisser le son bas, excusez-moi, oui, parce qu'on n'a pas de clean feed, il y a les commentateurs les gars, ouais. Je suis obligé de laisser ça assez bas, je suis navré. Alors, hop. Et on a force by un scout, hein, mec. Hein. On a force by un scout. C'est en bon, face, il y a déjà deux bulldogs, une vandale. Waouh, wow. Ouais, très bonne équipe de la part de Spunkle. Ah, pas naïf. Hein. Raté celle-là, ok. On est en écho, hein, je rappelle. On a récupéré le scout. Si on peut refaire un kill, franchement, on prend. Ok, du coup, ça. Il sait qui est de l'autre côté du wall. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de. Pour l'instant, ils misent bien, Fnatic. Dommage, c'était un bon pari, ça. Non, ça n'a pas touché. Non, ça n'a pas touché. Ça n'a pas touché, c'était un bon pari. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? On est coincé entre les deux sides. On attend qu'à ouais, flash. On prend l'espace, mais il va rester 30 secondes, on ne sait pas trop. Ouais, j'aime pas ces activations à la minute. Qu'on y est, on a essayé de prendre un pic avant. Chronicle qui va réussir à prendre une deuxième fois notre scout. Ok, on va être face à Derke et à. Derke et à Buster. Derke et Buster, regarde, Buster, t'inquiète pas, hein, qui file, Derke qui tue, allez, on se fait. On va rien faire tomber. On va rien faire du tout, les gars. Allez, mon Logan. Fais tomber au moins une arme. Ouais, ce serait cool, une arme. Oh non. Dommage. Allez, c'est maintenant. 2-0, faut se mettre dedans directement. Ouais. Là, j'aimerais pas qu'on mette toute une map à se mettre dedans. Ce serait un. Non, c'est bon, la prochaine, là, c'est bon. Un mauvais scénario. Attends, je vais pousser la souris, excuse-moi. Hop, parce que sinon ça met l'interface. Allez les gars, on peut bien jouer. Allez, ouais, c'est drôle les gars, c'est drôle. On n'a pas fait un kill les gars. C'est la stat. J'ai une stat effrayante. Il vient de la dire. On s'est pris deux flawless là, je crois. It's okay, c'est pas grave. Y a absolument rien. Pour le coup, perdre les deux premiers rounds, tu perds le premier round, généralement tu perds le deuxième, ça me dérange pas du tout. C'est celui-là où j'aimerais voir des choses. C'est celui-là où c'est très c'est important. C'est celui-là où il faut voir des choses. Où là, du coup, ils ont quand même une vandale du côté de Derke. Ils ont toujours la bulldog de Léo Chronicle. Ouais. Mais normalement, on devrait être bien. Là, les gars, c'est le round où on achète. Attention, parce qu'il y a Derke qui va être. Derke qui a pris ses couilles. Il est en confiance. Non, il est surtout en confiance. Donc là, il va faire des moves. Mais non, il y a le trap qui est pas très loin. Il attend pas Milan. Le trap, il était bien placé. Il y a personne dans le menu. Il a été vu. Heureusement, il est vu. Il pète le truc. Il a TP out. La flash est bonne. La flash est très très bonne. La flash est magnifique. On sait pas. Il va wall. Voilà, ok, on prend deux kills. Allez, on évite de perdre des armes. Maintenant, faut pas perdre d'armes. J'aimerais gagner le round et pas perdre d'armes avec ça. Yes, oh là, Nathan qui l'a détruit. Allez, Nathan tank on the wing. Allez, les gars. On pose la bombe. Ils vont jouer ensemble. Attention, il y a une vandale. Une vandale qui a été récupérée et une bulldog. Ils s'attendent potentiellement à ce que quelqu'un fasse le lurk. Là, on a juste besoin de prise d'info, les gars. On n'a pas besoin de chal, prise d'info. Ouais, je crois que c'est ce qu'on fait. Faut pas leur offrir d'un verre. Ouais, je crois que c'est ce qu'on fait. Je sais qu'en post-plant, on a souvent du mal, mais sur Breeze, ce sera peut-être l'exception, monsieur. Ils vont pas le jouer, j'en sais. Ils vont pas le jouer, ils vont prendre les exits. 2v5, ils le tentent pas. Je pense qu'ils veulent nous faire tomber des armes pour nous mettre mal au prochain round. Mais on est malin, on tombe pas dans le piège. Faut pas être naïf là. Là, il faut pas être naïf. Surtout que Buster en plus il a 4000 balles, donc là ils vont pouvoir bien acheter, ils peuvent économiser. Attention parce qu'on en perd un premier, ok, ça va être revenge, on sait qu'il y a le deuxième. Il va se barrer la 5 HP. Buster il se barre, on l'a entendu. Ouais, super, allez on perd qu'une arme. Allez, ça part de là. Et oui les gars, criez pas défaite à l'instant, on perd deux rounds, c'est normal. Tu perds le premier, généralement tu perds le deuxième. Pas grave. Non t'inquiète, c'est pas chez nous que ça dit ça dans le chat. Ah. T'inquiète pas, c'est... Oh c'est bon, c'est fatigant là. Les gars, on les voit même plus les gars. Je crois que mes yeux... ne voit que les mutes sur le chat. Bah voilà, bah oui, allez les mutes, donnez de la voix les gars, allez. Ne vous laissez pas voir par les autres les gars. Dedans, ça va être le round d'achat de Fnatic. Si on arrive directement à slowdown un peu le jeu justement et alors couper un peu l'air de son pied parce que là, c'est vrai que les deux premiers rounds on les a mis bien en confiance. On répond bien.
Là, ça va être le round justement où ils achètent. Allez, du coup, Derkin qui son Derkin qui prend l'info, il sait qu'il y a Logan là, il sait. Et il va passer. Il va... Ah ouais, dommage. Chronicle qui est parti. Après, on a le site, 4v5, on a le site. Ils vont nous laisser le site. Il y a Logan, du coup, il n'y a plus son. Il n'y a plus ses. Comment ça s'appelle ? Il n'y a plus ses trappes derrière. Ouais, et regarde, ils vont aller éviter qu'à plusieurs. Nathan qui va ultimer. Là, il faut qu'on prenne de l'espace. Mais tiens, c'est vraiment duel. Dommage. Dommage, 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 dommage. Faut pas être naïf, hein, les gars. Ils savent être. On sait, là, ils vont prendre de l'espace. Faut vraiment être vigilant. Faut être vigilant, méticuleux. C'est important. Vraiment, on a le temps. On a une minute. Nathan qui est sur site, qui va avoir gros à faire, les gars. Il a un wall, une flash, une molly. Il faudrait mettre ta molly pour delay. Dommage. Ok. Bon jump. Ouais, Nathan, ouais, ouais, il était vraiment dans la merde. Ok. Ok, un gros kill. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Et Wailers, dernier envie. Dommage. Dommage. Mais ouais, Darky qui a fait un gros taf. Hein. Forcément, il a push avec son ulti. Du coup, l'autre side, il a pris de l'espace. Il a dit qu'il y avait personne. Il a vu Logan au mid. Ouais. C'était le seul potentiel qui pouvait du coup embêter. Il l'a ping directement à ses mates. Je crois que c'est Chronicle hein, qui l'a pick au mid. Ouais. Ah non, qui l'a pas pick au mid. Il l'a pick aussi. Du coup, il avait push. Et puis après, bah, ils nous ont juste enfermés. Hein. Ils nous ont juste enfermés, attendant les erreurs. Allez, les gars. Très bien joué de la part de Fnatic. Très bien joué. Franchement, rien à dire. 3-1, ok. Souffre un peu. Pourquoi on attend 20 ans pour poser? Là, en fait, ça sert à rien de poser. En gros, si on pose en 3 et 5, en sachant qu'ils sont tout autour de nous, ils ont trop d'avantages. En fait. Le but, ouais, c'est d'essayer de prendre un pick avant. C'est ouais. Ça. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer? Là, on est en contrôle. Et on va se diriger vers B. On va se diriger vers B. Il n'y a pas de trap en B, ce serait un bon pari, les gars. Derkin qui est très avancé dans le mid. Ah, si, il y a un trap là. Très avancé dans le mid. Line-up de. Il n'y a pas de trap en B, t'as raison, il n'y a pas de trap en B. Si, il y avait un trap juste devant nous là. Non, c'est le nôtre. Ah, pardon, tu as raison. Il n'y a pas de trap en B. Tu as raison. Les deux traps sont A. Là, ils avaient juste Viper, ils vont laisser la Viper. C'est un très bon pari. C'est un très bon pari qu'on fait. Ils sont 3 sur le B déjà. Oh, c'est un fake. Ouais, même ouais. Moi et mon fake. Ouais. Même moi je suis fake. Et là, tu vois, là j'aimerais qu'on ait pas cette petite lenteur de merde qui leur permet de rota. C'est ça. J'aimerais qu'on active. Là, voilà, ils ont l'info, allez les gars, faut même y aller. S'il a vu, faut y aller. Waouh, Takas qui a failli mourir, il a pris des balles, il a pas pris de tête, heureusement. Il y a des travers, et oui, ils ont le temps de revenir de Boldor. C'est pas ça, c'est qu'ils ont le contrôle du mid. Donc en fait, ils peuvent passer d'un point A au point B assez facilement, assez rapidement. On va quand même poser. Et là, on va se prendre une reveal ou une shock dart en plein dans la poire. Duel important. Magnifique duel. Logan va remporter. Mais est-ce qu'il y a un gros cut à faire? Magnifique Wailers, magnifique duel. 3v4. Béas qui a un très gros cut à faire. Béas qui a un taf, qui en a gros sur la patate là. Je vous le dis, on voit pas ta reveal. Magnifique. Les gars, deviens, attention. Non, ça pose. Non, et là on n'a pas le temps. Ils ont gagné le round. Putain. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est dur. C'est vrai qu'économiquement, on tue quand même pas mal, mais c'est vrai que. En fait, ce que j'ai pas compris, c'est. Ok, là on tue, ok, là on reprend l'avantage. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas. Il arrive, et là. Parce qu'en plus, il tue les deux, mais du coup, celui qui est. En fait, Wailers était obligé de pick parce qu'il y a eu le bruit de diffuse, ils étaient déjà half. Il est obligé de pick. Il est obligé de prendre un 1v1, malheureusement, il a pas le temps d'attendre Bayas, tu vois. Mais en vrai, les gars, il fallait juste gagner un duel et on l'a pas gagné. Voilà, ça arrive. Honnêtement, je trouve pas qu'ils aient mal géré la situation. Il y a Tom Holland en face. Non, c'est Buster, je pense, de En plus, c'est un peu le même mood. Ouais, c'est très juste. Je comprends ce qui t'a fait penser à Tom Holland. Moi, je me rappelle quand il avait. Vous aviez vu quand Buster il avait cast la finale Ascension et qu'il chantait en même temps. Par contre, il avait une vision de jeu, il approchait tout ce qui allait se passer avant. Il a tout pré-shot, c'était hilarant ce clip. On vous l'enverra. C'était magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va tenter là, du coup, économiquement, on est un peu dans le dur. On va semer un peu la zizanie. Attention à Derke, s'il vous plaît. Les gars. Et ouais. Putain, il joue bien. Il joue très bien son Yoru, il y a rien à dire. Il va prendre son pic, il va se casser. Il joue très bien son Yoru, il y a rien à dire. Prendre en écho, hein. Alvai. Derke là qui est bien entré dans son match. Il est vraiment dans son match. Ouais, premier round, il est directement dedans. Vraiment dans son match. Oh, waouh! Un one tap, mon gars, t'en as rarement vu des comme ça.
Oh, il éclipse Nathan, les gars. Ça reste Nathan qui l'a fait. Calme-toi, toi. Calme-toi. Moi, je report pour cheat. Ouais, Logan, t'es aussi loin de ta frappe. Ah, les gars, les gars. Ils sont en train de retourner un bon. Ouais, ils sont en train de retourner le bon. Oh, Logan. Allez, mon Lolo. Allez, les gars. On a les pauses. Allez. Soyez bons, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous aime. S'il vous plaît, je vous aime. Non, non, pas comme ça. Je t'en congé. Il a touché, là, l'information. Ah, c'est la même situation que tout à l'heure. C'est la même situation que tout à l'heure, putain. Ah, c'est trop bien joué de la part. Dommage, on était bien revenus. Putain, on avait bien retourné le round, c'est dommage, les gars. Ouais. Aïe, on avait fait des bons kills, dommage. Fait chier. Il manque le petit clutch time de fin à chaque fois. Aïe, aïe, aïe. Ah, dommage. Aïe, aïe, aïe. Non, parce que là, vraiment, c'est un 3v5 où on est en écho, les gars. Nathan. Oh là là là, pourtant, l'équipe était bon. Hein. Et là, on arrive à se remettre en situation de 3v2. Ouais, c'est dommage, là. C'est dommage, à chaque fois, les petits détails, même le round d'avant. Ouais, ça joue vraiment à rien. Ouais. En tout cas, là, on a un round fort parce qu'on a 3 ultis. Ouais, Derke, il est vraiment en forme, putain de merde. Et là, en plus, si on a un ult à casse, alors attends. Qu'est-ce que ça donne? Il va repérer Chronicle. Oh, il est parti de l'autre côté. Il va faire ça avec l'ulti. Si tu peux jeter ton spell, là, au fond. Il est vu, il est vu. La vidéo, du coup. Oh. Okay. Attends. Les gars, ok, okay. Big. Attention, Derke est là. Il est bien avancé. Wow. Il a tué l'ulti. Il en a tué qu'un, ouais. Heureusement, c'est qu'un. Le molly pour deux ans. Derke culte à son tour et qui donne toutes les infos. Fajr qui a pris Logan. Chronicle qui a pris Beyaz. Aïe. C'est ce qu'il a annoncé les deux positions des deux derniers. Oh, magnifique. Ta casse. On sait qui est là. La flash, fais gaffe. Wow. Voilà. Le push pour isoler les duels, il a raison. Il a la bombe. Il a la bombe, il part en là. Il a TP. Il est trop smart. Et du coup, on va pas s'en douter. Putain, Derke qui fait la game du siècle. Et ouais, regarde, il est déjà là, il nous a entendu. Oh yes, on sait où il est, il nous a pas tué. Il flash. Let's go. Magnifique. Allez. Mais attends, je comprends pas. Il avait tellement bien joué, Derke. Il avait trop bien joué. Ouais. Genre, aux échecs, il avait trop bien joué. Il a pas voulu patienter. Il a voulu prendre son duel. Parce qu'en fait, pour descendre, il aurait perdu trop de temps. Parce que du coup, s'il saute, la porte, elle est fermée. Donc en fait, tu prends la corde, il aurait perdu trop de temps. Il est obligé de prendre ce créneau. En fait, je suis en train de penser, il est obligé de prendre ce créneau. Et du coup, c'est bien joué que Nathan qui passe avec son cut. Il est passé avec son cut pour aller plus vite. Ben sans faire exprès, ouais. Je pense qu'il passe avec l'arme, il met plus de temps et du coup il est retourné le tue. C'est l'insouciance de Nathan qui l'avait pris le cut. Ouais, c'est l'insouciance de Nathan qui fait que. Mais en fait, des fois, tous les rounds se jouent en détail. Hein. Tous les rounds se jouent en détail. Ouais, mais c'est peut-être des détails qu'il n'a pas aimé. Il a super bien joué. Ah, il a vraiment bien joué. Là, il vient de monter en 6-6 en termes de kill. Il prend des duels incroyables depuis tout à l'heure. Il a eu raison. Franchement, sa réaction quand il a eu l'information sur les deux était bonne. Parce qu'on rappelle, là, c'était un clutch 1v2, les gars. Il les rush directement. Là, il a trop bien joué. Il a avec Phoenix, il lui reste encore une flash en finale. Bah, finalement, heureusement. Ouais, heureusement, mais. Bah parce qu'en fait, il a mis son ulti, il a mis sa flash. Ça marche plus. Il s'est fait tuer dans le dos. Et ses potes se sont fait annihiler. Du coup, il est revenu, il reste encore une flash. Parfait, tant mieux. Ouais. Allez, les gars, c'est bien. Ça fait du bien, 5-2. Et le mec, il a dit, mais comment il peut flash avec le M? Il est quand même assis. Comment il peut flash avec M? Peut-être un truc à faire là. Peut-être pour ça, je suis gold. Buzzcut. Ça marche plus, les gars. Le truc est cassé. Je sais pas pourquoi le. C'est Gotha, hein. Je vais demander à Rizzo. C'est ta Buzzcut, frère. Elle a une aura. Ton crâne neuf, frérot. Gotha, il a une aura. Il a dit, y a pas intérêt. Ok, Derke comme d'hab, hein, qui prend des pauses très. J'adore en vrai cette méta de Yoru qui fait des pics avancés et qui TP out. Je trouve ça très cool, les gars. Mais déjà en 11-5. Sachant qu'on va faire la même, hein, dans l'autre sens. Déjà en 5. Attention parce que là, faut pas être souple et pas naïf. Non, surtout que là, il va prendre. Bah, les gars, il va prendre son duel. Oh non, dommage. Non, parce qu'en fait, il avait pas encore mis son. Non, pas encore.
J'en ai marre. Quelqu'un qui regarde. C'est la smoke de qui? La note. C'est la smoke. Non, ça a été rouge. Ah ouais, c'est la note. Ouais. Oui, ça fait littéralement trois fois qu'il nous fait ça quand même. C'est la note a été rouge. Celle de Logan, maintenant c'est pas celle de Logan du coup, c'est Wailers qui joue. Ouais, mais là on meurt complètement, les gars. Derkay il peut pas prendre de kill, en plus il est surpris de base, il est en train de mettre son spell pour se barrer de base, il se retourne, il y a personne qui le regarde. Nice. Parce que normalement sur le timing smoke il y a de la com, les gars. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un Yoru en face, donc tu sais qu'il va jouer une pause avancée soit en mid, soit en A, soit en B. Pourquoi tu la check pas? Non, parce que là en fait, si c'est notre smoke, il y a pas 1000 pauses avancées possibles. Si c'est notre smoke, les gars, surtout que bon, l'une des rares forces à avoir justement un roster qui est full français, c'est que vous pouvez parler vraiment normalement, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour parler. Ça doit être instant. Non, en fait, le problème, la smoke qui fade normalement elle doit être dit 2 secondes avant. Le problème, c'est que on peut pas se permettre de jouer lentement. Et de pas être minutieux. En gros, quand tu joues lentement, c'est que tu peux regarder partout. Ouais, c'est ça. Bah, non, mais surtout quand on push à 3 la d'or au milieu. Ouais, bien sûr. Il y en a forcément, surtout si la smoke va fade. Waouh. Tu vois, c'est pas de la solo queue, tu vois. Genre, là, on doit pas se faire surprendre par. C'est pour ça que je vous demandais, est-ce que c'était le note smoke ou la leur. Parce que c'est la leur, je peux comprendre le play. Non, c'est la nôtre. Si c'est la nôtre, parce il y a un misplay. Quand on a vu Derkay, elle était rouge. Ah, c'est une écho, hein. Donc là, les gars, on retourne en écho, on a déjà perdu ta casse. Faites là pour le moment, c'est trop facile pour Fnatic là. Ils ont pas besoin de suer. Ils ont pas besoin de suer. En fait, ils ont pas besoin de nous outplay pour gagner. Ils ont juste à nous punir sur les erreurs. Okay, là, ça va de toute façon, les gars, c'est une écho. Hein. Il y a très peu de chances que ça se finisse bien, mais si on peut faire tomber une ou deux armes. Ah, tout à l'heure, ça s'est bien passé. Hein. On a réussi à transformer en 3v5. On a quand même perdu le round. À la fin, ouais. Là, c'est trivial horrible. Je sais pas, elle est où, mais. Magnifique Nathan, on en prend un. Je sais pas, elle est où, mais j'ai l'impression que c'est de l'écho, donc chacun le comprend et est important. De toute façon, c'est l'arrivée du siècle. Dommage. On en prend un, ok. C'est un MO3, c'est où? Il y a combien? Il y a toujours 0-0 le game. Vous arrivez sur la première map, mais pour l'instant, première map, 0-0, ça se passe pas bien. On est en train de perdre 7-2, on a un Derkay on fire en face en 16-6. Tu sens qu'en macro ils sont bons en plus. C'est pas. Ah ouais, c'est une équipe très bonne en macro. Ah ouais, tu sens qu'ils sont smart. Hein. Stratégiquement, c'est solide. Hein. C'est pour ça, faut pas leur donner des trucs faciles, tu vois. Oh, on a 4 ultis. Eh les gars, pour ceux qui connaissent pas, je vous rappelle qu'on affronte la deuxième équipe la plus forte d'Europe. Hein. On n'a pas de chance, nos deux matchs d'affilée, c'est le top 1, top 2 Europe. Ouais, sur le papier, ouais. Sur le papier. Après, on est en VCT, les gars, dans tous les cas, c'est le niveau qu'on va affronter, hein, c'est sûr. Hein. Non, bien sûr, mais putain, wow, c'est deux matchs vénères d'affilée. Mais moi, franchement, je pense que Fnatic, ça se prend, honnêtement. Ouais, mais là, ils prennent des pics trop faciles. Ouais, le problème, c'est que là, on rentre pas dans le match, quoi. C'est putain. Aïe aïe aïe. Genre, c'est quoi ce pic? On a comeback un 10-4 sur Bind. Tout est possible. C'est vrai. Grâce au pouvoir de l'amitié. Waouh. Le timing, la aim, Derkay, il est en légende. Ce qu'ils veulent sur la map là. C'est pas une écho, là, c'est un round armé. J'ai l'impression qu'on a juste le droit d'être au spawn. Désolé, on est un peu dur, les gars, mais là, on. C'est nous aussi de comprendre parce qu'ils travaillent, etc. Les gars, ils se butent. Hein. Ils se butent de fou. Mais là, on fait des erreurs qu'on ne peut pas se permettre de faire en VCT, tu vois. Does this look more comfortable from Durka, or is this the gentlemates aren't the same, you know, sort of challenge? A lot of the examples we saw from Durka was just straight up whiffing, not hitting shots, not being, you know, as clean or on point as we have seen him in the past. C'est un français, ça marche pas. Bon, on pourra pas nous reprocher d'avoir essayé, les gars. C'est pour le coup, c'est plus ces joueurs-là qui ont mérité que le nom de Gentlemate en lui-même, tu vois. Ah ouais, genre, les gars, ils ont l'année qu'ils ont fait vivre, comme je l'ai déjà dit, moi de mon côté. Est-ce que Béa va réussir à s'en sortir? Si là, il va garder son arme, ce serait bien, mais là, il va se faire double flash, ouais, c'est compliqué. Mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le truc, c'est que. Ce qu'ils nous ont fait vivre l'année dernière, surtout pour la première année de Gentlemate, les gars, genre que ça soit la Ligue, ensuite les playoffs, ensuite la Ligue, la saison 2, ensuite regagner les playoffs, les ascensions, le comeback, machin, etc. C'est un shonen, le truc, tu vois. Et ils ont tous les 5 mérité leur qualification en VCT.
Donc c'est l'année pour apprendre. Moi, je suis pas d'accord avec le roster français, ça marche pas. Hein. Moi, je pense que ça peut marcher. Je pense que ça peut marcher. Moi, je trouve que c'est une excuse, le roster français, ça marche pas. C'est juste une mentalité de merde, de loser. M8-2, les bâtards. C'est juste une mentalité de loser, mais ça vient sur Kelsey, qui est un roster français, ça peut marcher. Bah, ça peut marcher, ouais. Ça a marché déjà, ça a marché, on a gagné l'ascension. Ça a totalement marché. Oui, mais à l'échelle VRL. Là, c'est le top niveau. L'ascension. Ouais. Tous les joueurs qui étaient dans l'ascension quand j'ai Apex, ils sont dans la VCT aujourd'hui. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais on les a battus sur un jour, 3-0, 5 hommes contre 5 hommes. Là, justement, allez, là, gars, dans les matchs, on parle de ça à la fin, là, c'est pas fini, là. Allez, c'est pas fini, les mecs. De la régularité. Allez, si on met les deux prochains, on a moyen de revenir dans cette putain de game. Allez, faut juste mettre les deux prochains, là. Voilà, c'est bien. Voilà, ouais, allez, comme ça. Allez, putain. Voilà, du nerf, putain. Voilà, imposez-vous, bordel de merde. Mais quand on parle de ça, Lucas, je c'est pas... Je vais avec vos couilles, là, putain. Prenez vos couilles, mettez-les sur la table, putain, c'est bon, quoi. Des petites victimes toute la game. Ouah, putain, merci, bordel. Mais non, mais putain, allez-y, merde. Merci. Vous en aurez pas des milliards, des matchs en VCT, hein. Personne n'en fait des milliards, hein. Merci, monsieur. Profitez de vos matchs, prenez du plaisir, posez vos couilles, montrez qui vous êtes, putain. Il a raison. C'est bon, là. Il a raison. Ah ouais, mec, ça me casse les couilles. Ouais. Voilà les gars, allez, on arrête de chialer, je méritais pas, vos gueules. Voilà, on vit le moment présent, on vit tous les matchs, taisez-vous là, les experts de merde, bah faites une structure, taisez-vous, fermez vos gueules, on y va putain. Allez, on profite. Non mais sans déconner, les mecs nous font rêver toute une année, ils font trois mauvais matchs, et moi j'en avais dit, moi, bah non, les gars, laissez-leur leur chance, c'est bon, on est ensemble, arrêtez. Laissez-leur leur chance, putain. C'est ce que je voulais dire, mais de version un peu moins... Mais des fois, il a raison. Moi, tu vois, j'ai pris des coups de bâton pour qu'on me choque, pour qu'on passe non, pas dans la c'est vie. C'est vrai, les gars, c'est bon. On va pas être des lâches pendant un an, on est là, si, ils sont trop bien, je les aime de tout mon cœur, ils nous font vivre des trucs de ouf, ils font trois loose, bam, ça leur tombe dessus, arrêtez, les gars. Fact. Je suis d'accord. Attends, mais si, mec. Wow. Mais non, mais allez, on se met dedans, voilà, putain, last round, il nous a donné la conf, ça c'est un round, on l'avait fait, je sais plus contre qui, sur Breeze, avec ta casse qui passe par là, ça avait marché, là ça marche un petit peu moins, on peut le constater, ça marche vraiment moins, on peut le constater, ça marche vraiment beaucoup moins bien. Attention, on repasse en 3v4. Le gars qui arrive à prendre un pick, mais ouais, il est partout, putain, il casse les couilles, lui. Hop, la flash directement, il va prendre son duel, il l'a vu, il va full. Ah putain, il lui restait pile les balles pour s'il sortait, continuer le duel, beau gosse, aïe, dommage. 9-3. Il a le buff Gotha. Lui aussi, t'es avec Teddy Rainer, il a. Non, les gars, c'est pas grave. 9-3. Espérons que ça se passe mieux au changement de side. Moi, je reste positif, de toute façon, c'est tout ce qui nous reste, les gars, rester positif. Évidemment. Il y a quand même des trucs que j'arrive pas à comprendre. Des fois, j'aimerais bien entendre la com ou quoi que ce soit, tu vois. Attends, je crois qu'il a 20 kills et quelques, Derke. Non, non, mais Derke, il est en game life. Il fait vraiment. Il y a trop d'espace. En fait, tu sais pourquoi ? Parce qu'on joue terrorisé. Non mais même là l'action, c'est-à-dire qu'en gros, il y a eu Molly Viper au fond, ok, qui était du coup sur ta casse. Ta casse du coup, il a mis son ulti, il a vu la personne, mais il a enlevé son ulti devant lui. En fait, il y a plein de trucs que je comprends pas de ce qui s'est passé là. Il y a forcément un spell qui manque de quelqu'un. Ouais. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bah déjà, je pense qu'il manquait la flash de Nathan. Hein. Attends, qui a fait une prise d'info, attends, on push tunnel, mais attends, on va être accueilli, faut pas qu'on se sente trop pousser des couilles non plus, vous voyez. Ouais, c'est bon. Okay, ils sont à fond, ils sont tous tubes. Ils sont tous tubes. J'espère pas. On a fait un pari en. Il va pas personne. Ils sont tous tubes et il en voit aucun. Oh, putain, ils sont lents, il en voit aucun. Ils time parfaitement là, les Fnatic. Y a rien à dire. Faut pas qu'on soit naïf. On les a vus. On a l'info. On voyait cette choc d'art. Elle a failli toucher, dommage. Attention, Beyaz, tu sais. Discipline. Dommage. Dommage, il a TP. Magnifique, classic gentleman, le bundle est dispo. Il a plus de balles, il va plus avoir de balles. Dommage. Ouais, dommage. Il avait plus le choix en même temps. Là où il a cru que c'était une flash out, mais loin. Ouais. Il pensait pas que c'était tunnel. Il s'est fait un peu surprendre dans le corner. Il nous entend Rota, ça joue très lentement. Pendant ce temps-là, c'est en train de poser sur le site. On a complètement lâché le site. Et là, on va être attendu. Il faut une Poster fois de plus. Hein. Faut une fois de plus, Pythna. Il faut une fois de plus. Ok, on pique à deux, j'aime beaucoup. Dommage, c'était bien. C'est dommage. Le gars, il a tué un au top. Hein. On perd le duel, mais c'était bien quand même. 1v3, bonne chance. C'est ta casse. Au top. Timing, please. Timing de merde. Ouais, là, mec, ils lui font tourner la tête. Là, c'est maître Gims. Là, c'est.
Ah ouais, il y avait tellement là. Enfin, sans Fnatic, ils jouent bien à leur leçon, ils jouent bien en équipe, hein, ils jouent bien ensemble. Ils jouent très très bien ensemble. Oh là là, le flic qu'il met. Non, mais Derke, par contre, c'est. Tant qu'ils remettent les scores là, je crois que vraiment ils se rapprochent de 30 kills. Ouais, non, là c'est comme si un. Non, j'ai abusé, mais il a 23 kills. Il est en 23-8. En 13 rondes, hein, pas non plus en 20 rondes. Hein, donc c'est quand même monstrueux la perf que Derke fait actuellement. Ouais. C'est monstrueux. Donc là, ça va être un round armé pour eux. Nous, on va souffrir ce round là. Can they maybe get the tank building that all up? Is there something they can try and bank on? But Takas not being given much room to work. If we've been praising Dirk, we've got to also look at the other side on the other Yoru for Takas. I think he's only got 3 kills so far. He's not been having the same sort of impact. Buster qui va tuer Takas. Getting a chance to make it up to 4 kills. Après, non, on dit quoi, hein. Just, it has been a bit of a lockout for him. Le problème, c'est que vu qu'on a perdu 9-3, le gain de round était quand même assez important. Ouais, il était très très important. Ouais. Ouais, c'est quand tu mets le gain de round, tu mets souvent le round. On va pas se mentir, nos chances de gagner cette map sont extrêmement faibles. Mais j'aimerais au moins que ces derniers rounds nous servent à nous remettre en confiance et à jouer, à imposer notre jeu. Quoi. Ah, ils nous ont totalement tués, les gars. Ils nous ont totalement tués. Ils vont fake là avec. Oui, c'était Marshall. Oui, mais non, parce que Derke il est avantagé dans le sens où c'est Marshall contre quelqu'un qui n'a pas de shield, il peut viser juste le corps. Alors que Takas en Marshall, il doit mettre une tête pour tuer. Ah, ils ont totalement tué. C'est la différence, même si les deux ont un Marshall. Après, je sais pas, peut-être que Derke a quand même mis la tête, hein, mais. Oh, tu vois, là, ça fait pas d'avoir shield qui peut one-shot, quoi. Tu vois, il est pas naïf, il a quand même checké à droite. Ah, pas naïf. Ah, il a mis la tête quand même, ok. Pas naïf, le man. Absolutely lights out. This is what you want to see, really, with questions hanging over his head. Mm. Definitely what you want to see in the first map of this series. He's not done just yet. Oh, merci. Ok. Quand même. Bon, son arme sera dur à récupérer. On va mettre une reveal assez close qui va quand même reveal. Hein. Qui va quand même reveal. Léo qui va avancer pour défendre l'arme. Et il va faire le triple. Non. Et non, j'ai sous-estimé le capitaine. Avec son petit gun, mais forcément, vu qu'il avait le bundle, Gentlemate. Eh, chien, ça marche plus, putain, c'est cassé, je sais pas pourquoi, ça veut plus marcher. Ça veut plus marcher, je suis abattu. Bon, par contre, ouais, bundle Gentlemate, mais là, on perd 11-3, là, actuellement. Ouais. Là, c'est le round où, justement, maintenant, on va acheter des armes, on en a fait tomber un petit peu, ok. Là, faut surtout pas perdre ce round, sinon c'est terrible. On peut pas mais, se prendre des 11-3, comme c'est pas possible, putain. C'est pas possible, genre. C'est pas possible, les gars. Bah ouais, il y a des rounds qu'on a un peu donné, tu vois. Et là, Derke individuellement. Ouais, là, individuellement, il a un point. Hein. Ouais, en plus, c'est même pas. En plus, c'est juste c'est smart. C'est un truc simple, ouais, c'est ça. C'est parce ça. Que parce qu'il a, tu regardes, il a pas tant que ça de duel, il a pas tant que ça de personnes qui le regardent au moment où il est bien joué. Ouais, ça fait du bien. Ouais, il a pas de duel, oui, c'est ça, c'est pas des duels. Il y en a quand même, attention, hein, mais. C'est mais sur les 23 kills, il y a au moins 70% qui par des trucs de côté, des trucs comme ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'ils vont pas aller en B du coup? On va aller sur le drone. Oh la Molly, dommage, elle est mal mise. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça joue là? Neo qui meurt. Je comprends pas ce qui se passe. Et moi j'ai du mal à me connecter à la game. Moi aussi. Avoir la vision de jeu, ouais, ce qui se passe. Moi aussi, j'ai du mal à capter là. Magnifique, mon duel, 2v3. 2v3, ça se fait. On a le contrôle parce que Logan il a pas bougé de B, donc à tout moment, si on sur B, on sera là. La BS qui va laisser le BP, qui va aller rejoindre. On va faire un pari sur B, je pense. Ah non, il passe tube, Beyaz. Passe tube. Bonne lecture. En vrai, il lâche, il va arriver dans le cul. Mais le blème, c'est qu'il a peut-être pris cette décision un peu tard. On va voir. Il tempo bien, ils envoient la reveal, ça va être du A. Beyaz il va arriver dans le cul. Beyaz il va arriver dans le cul maintenant. J'espère qu'il arrive à temps. Non, la Viper est pas naïf. Tu vois, ils sont pas naïfs. Ils sont pas naïfs une seconde. Dommage, à une milliseconde, on avait un timing de zinzin, mec. Drone. Ouais, ils vont se repositionner, il l'a vu ici. Non, on cherche le safer. Où est le safer? Ah, il court, non, il s'avoue son idée du coup. Okay. Magnifique duel, les gars. Magnifique duel. Heureusement, game click, attention. Oh, on a vu le deuxième. Non, il est en face de sa tête, c'est dommage. Putain, sa bulldog, lui, frérot, c'est Nawap.
En fait, il y en a un qu'on sait pas. Lui, on sait qu'il est sur BP, mais le deuxième, on sait pas. Ah là là. Dans ton dos, ouais, dans le dos direct, ouais, dommage. Dommage, je joue super bon, bah là, les mecs, ils ont mis le bonus, ça va être un super bien ça, et ça on joue super 3. Mal. Je suis pas bien et on joue super mal. Ça va être 13-3. Go next. En plus, c'était notre map, il me semble. Parce que là, on prend le premier pick. C'est génial. Là, je comprends pas celui-là. Ça, c'est pas compréhensible parce qu'en vrai, on a l'avantage, donc on a juste besoin de les saigner à nous. Ils sont vraiment. En fait, Fnatic, c'est aussi une équipe. Je veux te dire aussi, Fnatic, c'est aussi une équipe qui joue énormément sur les erreurs des gens. Ouais. Genre, en fait, ils vont. Quelquefois, on attaque, attendre que tu t'offres pour pouvoir ensuite. C'est là qu'il est fort booster. En fait, il va vraiment attendre que les mecs s'offrent pour analyser où est-ce qu'ils sont vraiment très faibles. Là, ouais. Dommage. Pour analyser là où t'es vraiment fort. C'était juste l'ulti, il a quand même mis Chronicle low. On veut les choquer là, on veut imposer un rip. T'as vu foutu pour foutu, t'as vu. Voilà. Triplé de Takas. Voilà mon Takas. Allez. Là t'as vu foutu pour foutu, on tente. Ouais, mais les gars, c'est un peu tard. Hein. Bah ouais, mais c'est le problème, c'est qu'il nous faut 12 rounds dans la gueule. C'est comme sur Icebox la dernière fois. Où en retake, d'un coup, on est devenu beaucoup plus fort. On tentait des trucs, on imposait notre jeu. Voilà, peut-être on respecte trop. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. On respecte trop. Allez, pas 3-1v1. Si on perd ce round, je me mets en slip et j'annonce la fermeture de l'intégralité de mes réseaux sociaux. Si on gagne cette map ? Si on perd là. Ce round. Non, si on perd ce round. Voilà. Okay. Tout va bien maintenant. Là, ça, vu comment les gars, je vous explique, on perd ce round, je vous jure que je rentre chez moi. Je vous jure, c'est vrai. Non, le 1v4 là ? Non. Et vous saurez pas quelle est la marque de mon slip. Vous saurez jamais. Ça, j'ai envie de savoir maintenant. Tu sauras jamais. Déjà, qui vous dit que j'ai un slip ? Qui vous dit qu'il y a quelque chose entre moi et mon pantalon ? Ah, putain, si seulement je pouvais dire buzz cut et voir ta tête, ça m'aurait remonté le moral. Putain, ça marche plus. Ouais. Désolé, mon gars. Allez. On va double call. Attention, hein, parce qu'il y a Darké qui a son ulti. Tous ses ultis ont fait mouche. Là, ils vont attendre une erreur. Ils vont attendre que quelqu'un de notre équipe se jette. Imagine, je me mets en slip et mon slip, c'est un slip gentlemates et c'est pour annoncer l'arrivée sur le shop des slip gentlemates. Ce serait exceptionnel. Et là, ça n'existe pas. Là, ils attendent derrière. Là, par exemple, là, ils vont vouloir punir le mid. Ils vont vouloir punir au mid. On est impatients de fou, donc ils vont essayer de nous punir. Ils savent qu'on est impatients. Waouh. Il y a un mec dans le trou, hein. Il y a un mec dans le trou à tout moment. Il l'a entendu. Il... Et là, il a entendu le spell. Ah, il y en a vu un là. Ok. Est-ce qu'on peut refaire les Chronicles ? Attends. Il l'a entendu. T'as vu comme il est pas naïf là, Wailers ? Attention, big duel maintenant. C'est gagné. Il a gagné le duel. Il a pris un kill Léo. Léo, il a pris ta casse. Attends, il avait entendu aussi la TP qui était pas loin. Ah non, il est déjà sur BP. Ok. Les gars, 4v4. Ok, Chronicle qui va tomber. Normalement, ils pourront pas le réa là où il est. Quoi, qu'est-ce qu'il a un timing en étant derrière ? Ah ouais. Oh, bien joué, Wailers. Bien joué, Wailers. On en prend un pour le prix de 2. Ouais, ils veulent tuer parce qu'ils donnent des infos. Ouais. Il y a eu des rires. Oh, et c'est Chronicle qui a le kill ? Ils vont jouer. Il y a un ulti ? Ouais, il y a un ulti, Léo. Ok, beau push de Logan. Léo qui est là. Magnifique. Okay. Allez, les gars, c'est dommage qu'on se réveille après 15 rounds. En fait, on fait ça quand ils sont à 10. C'est ok, tu sais que tu peux revenir, tu peux en laisser quelques-uns partir. Tu peux te faire ça, je pense pas là. À 12, il y a forcément un moment. Ils vont faire un tout droit en B, tout droit en A. À un moment, ça va passer. En fait, c'est génial aussi. On fait ça quand ils sont à 3, c'est lourd. Ouais, mon rêve aussi. Mon rêve aussi. En fait, je veux un match. Donnez-moi un match, donnez-moi du contenu. Ouais, je suis d'accord. Donnez-moi de la bagarre logique, pas des... Attends, c'est peut-être là une remontada. J'en ai marre de voir des... Ah, dans le dos. Il y en avait un là. Oh non, corner. Gros, donnez-moi de la bagarre. Oh non, c'est encore pris un corner sur le cul en gun round par Derké. Oh non. Attention, Derké joue avancé, les gars, je crois. On sait que Derké, c'est un mec un peu greedy qui aime bien prendre ses pics. Surtout avec non, les euros. Non, c'est vrai, on se fait avoir par les trucs sur le cul. Avoir des... Bon, après, calmez-vous, on se fait un V5. Calmez-vous. Voilà. Mais ça me calmera jamais, ça. Qu'est-ce qui calmerait là ? Comment on se fait un V5 ? Ah, bah ça. Tu parles de quoi, on se fait un V5 ? Un V5 par Derké ? Mais il m'a V5 jamais, gros. Je vais mentir en double digne avec Gotha, on le tue. Et vous, un V5.
peut-être qu'il va gagner quelques Yoru, fois. Derke Yoru, il nous 1v3, sûr et certain. Oui. Et il nous 1v5. Ah, un vrai dis perso, frérot. Si tu me dis Rex, Jet, Kayo. Derke nous 1v5. Derke nous 1v5. Derke nous 1v5 tous les jours. Ouais, je pense. Ouais. Mais bien sûr. Tous les jours. Tous les jours de l'année. Je pense, ouais. Voilà, il y a quelques rounds, il était pas loin d'un V5 déjà cela, donc les gars. Je pense même pas, je suis très sûr. Mais... Bah les gars, c'est vrai. Mais actuellement... merci pour le Robin. Allez les gars, allez. Natok, magnifique. Merci. On a les Spike, gars. On a cet outil électronique qui peut poser. Natok, tu prends un kill. Allez. Natok encore. Ouais, allez. Un peu de folie, un peu de couille. Merci mes gentlemates. Merci. Voilà, c'était très clean. C'était très très clean. Tout le monde a gagné son duel. Vous me retirez cette naïveté. Recette pour un bon roster. Vous me retirez cette naïveté, on n'en veut pas. Vous me versez un peu de discipline, un petit peu de folie, une bonne com, c'est gagné. Allez, suivant. Et un peu moins de duel à solo aussi. Allez hop, je retire les duels solo. Hop, quoi d'autre? Il y en a un autre là. Ah oui, on arrête de grid en supériorité numérique. Ça, très important, je le rajoute. Hop là, quoi d'autre? Allez, c'est quoi les autres règles? On va écrire les 6 commandements. On va les marquer partout dans les putains de bureaux. Et on va voir si ça finira par rentrer, bordel. Après, c'est un écho, les gars. Mais bon, on prend quand même. On dit Derke, c'est Derk ? Parce que j'ai vu des gens choqués. Derke, non, c'est Derke. Derke. Moi, j'ai toujours appelé Derke et j'ai toujours entendu sur les casques Derke. Ouais, je crois aussi. Non, non, mais je demandais au cas où. Temps mort, côté Fnatic. Les gars, si on fait une remontada, ce serait... ça marquerait l'histoire. Plus que 7, hein. Il a raison, hein. Plus que 7. 7 morts. C'est quoi 7? Ils nous en ont mis 12, on peut en mettre 7. Allez les gars. On troll les gars, évidemment que c'est bien plus compliqué que ce qu'on dit. S'il suffisait d'une recette comme ça, non. C'est, ouais, bien plus c'est bien plus complexe, mais en fait on se permet aussi nous de les vanner un peu quand il faut. Parce que on suit ce qui se passe au quotidien, ouais, en interne, on suit leur track, on suit absolument tout. Et c'est des trucs qu'on leur dit en enfin, enfant. Enfin les gars, avec les Fortnite, ils ont été à l'initiative du projet d'Antelmate, hein. Donc forcément, c'est aussi pour ça qu'on vanne aussi. Genre je sais que par exemple quand ils regarderont la rediff, les gars c'est... Dites-vous que ça a dépassé le côté... genre employé, CEO, tu vois ce que je veux dire. Sûr, on a bien un sûr. Relationnel qui fait que... C'est pour ça que ça nous fait encore plus chier quand ils perdent, tu vois. Largement, largement. Largement, c'est pour ça qu'on se permet. Si on n'était pas aussi proche et si on n'était pas aussi impliqué en off, on se permettrait jamais, les gars. Mais là, je sais qu'ils vont rire jaune en voyant certains moments de la rediff. Allez, 12-6. Ils ont un plan de jeu, là, prédéfini. Ah ouais, là c'est dangereux, hein, quand tu sors, là. Attention, ta casse. Oh, le gros kill. Oh, non, mais j'ai cru. Après, bon, l'avantage en général quand tu fais un point, c'est à l'attaque. Clairement. J'ai cru au doublé, je t'avoue. Bah, moi, j'ai cru au e-kill. Moi, j'ai cru au TP. Et il se barre, ouais. Je crois qu'il l'a. À mon avis, tu sais, il y a une petite anime et tout. Hein. Je crois pas qu'au moment où t'appuies sur la touche, ça te TP out. Je crois qu'il y a un mini anime avant. Je pense qu'il avait le temps. Oh, il avait le temps. Hein. Ah ouais, ah ouais. Bon. Parce qu'il a quand même décalé à gauche pour prendre le duel. Putain, regarde. Je vous jure que là ils remettent un round, je crois au plus gros comeback, je commence à y croire. De l'histoire de VCT, moi aussi. Là je suis encore dans le... Bah en fait faudrait mettre celui-là, là quand on sort d'un timeout, souvent c'est un impact de baiser quand même hein, sur l'équipe qui a timeout, donc qu'est-ce qui se passe? Ulti Cypher, ils en opposent. Cypher de qui? De eux? Ouais. Oh putain, dommage, une milliseconde plus tard, il s'était montré. De toute façon parce que là du coup il va être reveal avec le couteau, on va potentiellement être deux à être reveal avec le couteau. Hein, allez, touche-le. Ah non, on s'est fait couteau. On s'est fait couteau, du coup, on va pouvoir mettre une seule charge d'échec. Ils ont posé, ils sont... Ah, le timing. Attention, est pas Viper bon. Qui arrive dans notre cul. Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Et ouais. Voilà, boss. Très bien joué. Et ouais, là, nos rêves de remontada s'effondrent, les gars. Hein, attends. Nos rêves de remontada s'effondrent. Attends, mais c'est posé pour nous. Attends, c'est posé pour nous. Oh, attends. Quoi? Non, 1v1. Beyaz, je t'aime. Posé de notre côté. Faut que tu fasses une alpha, c'est mort. C'est la voir push, mec. C'est Legolas contre Legolas. Dommage. J'ai pissé. 13-6. Il y a eu des belles choses lors des 5 derniers rounds et c'est le même problème qu'on a eu contre Cassé. Le match il a commencé à 12. Quoi. Ouais, le match il a commencé à 12, ouais. S'il pouvait commencer à 6-7, déjà on serait mieux, quoi. Et ouais. Allez, les gars, faut pas se laisser abattre, faut rester solide, on s'en fout. Allez. On move on, on oublie cette game, on passe à la suivante, les gars. Allez les gars. Et merci à nos ultras sur place, on les a pas beaucoup vus du coup, vu qu'on se fait enchaîner.
Et tu sais, ils mettent des plans publics quand tu gagnes, pas quand tu perds. Donc on les voit pas beaucoup, mais ils sont là. Hein. Ils sont là, merci beaucoup les gars qui se sont rendus sur place, merci énormément. C'est un BO3, hein. La game n'est pas finie, enfin le match n'est pas fini, la game est terminée. Non, le match n'est pas fini, mais là on vient de perdre sur notre map. Donc ouais. En général, c'est pas bon signe. Ça pue. Surtout qu'on a montré un bon visage sur la fin, alors peut-être c'est que justement on peut arriver dans la deuxième map en mode. C'est bien, non? Oui, c'est mieux là. C'est bien mieux. Non, on peut arriver justement sur la deuxième map, même si c'est pas notre map forcément, mais c'est pas notre map, on les a tous travaillés les gars. Mais on peut arriver du coup sur la deuxième map en mode bah vas-y, les gars, à la fin on a commencé à jouer, on a porté nos couilles, on a mieux joué, go se mettre directement dedans, tu vois, tu commences à gagner l'écho, boum, c'est bon, t'es re-dedans, et là tu dictes ton rythme à toi, tu vois. Peut-être ça peut faire cet effet-là, et j'espère que ça va faire cet effet-là, parce qu'effectivement... Bah, contre Cassé, pas passé ça contre Cassé, en tout cas. Donc, contre Cassé, on n'a jamais eu ce moment de « on se remet en confiance bien ». Tu vois, genre... Bah, pourtant, on a fini pareil. Hein. On s'est pris un 10-1, on est remonté 13-6. C'est précisément le même scénario, mec. Je peux pas te dire mieux. J'étais à Berlin, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est exactement le même scénario-là que contre Cassé. C'est le même ordre quasiment de win de round des touches, je te jure. Ouais. Vraiment, donc là voilà, là soit on sort de ça, soit me rassurer comme je peux. Tu viens de niquer mon seul petit espoir. Moi les gars, je suis réaliste, je reste quand même positif. C'est possible qu'on change la dynamique là, ouais. C'est possible, mais c'est aussi possible qu'on reste dans cette dynamique là et que ça se passe mal sur cette map 2 et qu'il y ait un peu un scénario miroir où quand on se fait mener quand il y a 11 ou 12 rounds pour l'équipe adverse, c'est là où on met un peu plus de folie, où ça se met à marcher et où malheureusement la dernière fois il s'est passé ça, tu vois, lors de la game 1 et on s'est pas dit ah mais les gars, venez, la petite folie, on la met dès le début, ça a l'air de marcher. Ouais. Tu vois, mais c'est normal. Après, les gars, c'est facile de notre point de vue. On n'a pas la pression, on n'est pas on stage. On n'a pas passé une semaine à faire des pracs dans tous les sens et à parler de ce match. On l'a pas redouté ce match. Eux, c'est autre chose, tu vois. Donc, ils ont changé les photos. Ils ont mis des photos de Seiko, Itachi Juicy, etc. là-bas. C'est plus en mode secte avec nos trois portraits. Non, donc les gars, ils sont jeunes, c'est leur première... En fait, je vous demande juste un truc, les mecs, c'est de l'indulgence pour ces joueurs qui nous ont fait rêver pendant... En fait, voilà, je vais vous parler français. Je trouve que dans l'e-sport, globalement, il y a énormément de lâcheté de la part des communes, voilà, je le dis. Ça veut dire que vous avez des joueurs qui vous font vivre des émotions de dingue. Je parle pas des mutes, je parle toutes les structures à un moment donné. Ouais. Et puis à l'instant, ils mettent un genou au sol, ce qui arrive, tu vois, dans toutes les grandes carrières, ça arrive. Il y a des gens, ils sortent un couteau, ils lui sautent à la gorge. Et franchement, je trouve ça vraiment pas beau, pas fair. Faut pas oublier ce que ces joueurs vous ont fait vivre. Faut pas oublier ce qu'ils nous ont apporté à nous aussi, le club. Ils nous ont apporté beaucoup. Donc voilà, s'il vous plaît, respectons. Je sais que c'est frustrant. Je sais que c'est infâme de voir ton équipe se faire rouler dessus. Le temps d'un match, tu peux le tanker. Quand c'est 1, 2, 3 matchs, ça devient dur. Quand c'est une saison entière, c'est l'enfer. Je comprends ces émotions. Je dis pas qu'il faut pas être frustré et enragé face à ça. Je dis juste respecter les humains de toutes les structures. Le joueur, le staff, tout le monde, respectez les humains, s'il vous plaît. Vous avez le droit d'être frustré, vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement, mais ne l'exprimez pas en harcelant, en insultant, en dépassant les limites, tu vois, du respect, les gars. Voilà. Et je parle de toutes les structures, c'est pas M8, je parle de toutes les structures, s'il vous plaît. Voilà, je vois aussi qu'assez souvent qu'en prennent plein la gueule pour des joueurs à eux qui se font, mais déchirer, tu vois. Et je me dis, mais putain, les mecs, en plus, souvent, c'est des joueurs qui ont apporté énormément. Je suis en mode, mais les gars. Calmez-vous, quoi. Après, c'est le sport, ça te fait ressentir des émotions de ouf. Et du coup, tu vois, je voyais même hier, j'ai regardé le foot, ce qui arrive rarement. J'ai regardé le PSG-Barça et je voyais des fans barcelonais pleurer, tu vois. Ouais. Je me disais, putain, c'est ça, quoi. Le sport, c'est ce genre d'intensité d'émotion que ça te donne. Donc forcément, derrière, il y a de la colère quand il y a de la déception, quand il y a de la tristesse. Souvent, derrière, il y a de la colère. Tu sais, c'est toutes les phases. Après, chaque phase est différente. C'est-à-dire que là, tu vises une minorité, c'est pas la majorité aussi qui est comme ça. Tu vois, là t'inquiète pas qu'il y en a plein qui rêvent de voir King Takas, etc., tout gagner et qui, même dans la défaite, seront toujours là. Moi, j'ai vu le parfait exemple avec les LOL. Parce que je les ai croisés, les LOL aussi. Là. L'ambiance s'est passée très bien. Parce que tu sais, j'ai un peu triché, j'ai pris l'ascenseur. Et en fait, j'avais oublié. Oh, on est au deuxième étage, tu peux monter. Ouais, mais je voulais arriver rapidement, bref. Je comprends. Tiens, vas-y, j'avais oublié que j'arrivais dans leur pièce. Et du coup, j'étais en mode ah ouais. Ah, t'es arrivé dans la pièce des LOL. Ah putain, mais t'as pas le droit normalement, t'as pas le droit. Ouais, il y a un scotch sur le bouton. Ouais. C'est vrai, l'ascenseur du bâtiment, il arrive dans la prac room des LOL direct si t'appuies sur l'étage. Donc ça... et bref, non, ils sont dans un giga bon mood, ils sont en train de scream, etc. Et je l'ai vu avec justement notre communauté, et merci pour ça les gars, parce qu'il y en a quand même beaucoup, surtout quand ça se passe mal, tu sais, la fameuse 2 semaines, on se fait péter la gueule partout, sur tous les jeux, etc. LOL principalement. Que des gens ont pas lâché, continuent à envoyer des soutiens, envoyer des messages de force. Donc ils étaient quand même déçus. Tu vois, ils étaient en mode, bon, les gars, on joue mal, mais
tu vois, ça, ça c'était leur tweet à eux personnel en mode voilà, je trouve qu'on joue mal, je trouve que ça on fait pas bien, machin, etc. Et vous avez le droit de penser ça, les gars. On vous demande pas d'être le monde de bisounours et ah non, c'est clair. À dire oui, on joue trop bien. Non, vous pouvez avoir votre avis sur ce qui se passe, etc. Mais par exemple, un grand merci à vous parce qu'effectivement, la période LOL ça leur a fait vraiment du bien parce qu'on se faisait péter la gueule partout. Et si aujourd'hui, là, juste après ce match Valo, on va jouer un match de knockout pour se qualifier en MMA, c'est beaucoup grâce à vous aussi, les gars, parce que vous avez vraiment pas lâché et les joueurs, ils ont tout donné, tu vois. Les joueurs, mais c'est vrai important. Que et nous, on a de la chance, je trouve, dans la dans la commu M8. Évidemment, il y a des fans aussi. C'est une minorité de fous chez nous, mais il y en a quand même qui dépassent un peu les bornes, comme dans tous les clubs, comme dans toutes les structures. Mais je trouve qu'il y a surtout anormalement beaucoup de positifs, même dans les moments les plus durs, et on en a vécu cette saison. Donc, je dis c'est anormal parce que c'est presque trop beau pour être vrai. Ouais. Donc, les joueurs, ils nous en parlent très souvent. Donc, merci pour toute cette bienveillance et tout. Je sais que c'est horrible de voir une équipe que tu soutiens se faire détruire. Vous avez le droit d'être pas content, vous avez le droit de manifester aussi votre mécontentement. Il y a juste une forme à mettre et des limites à ne pas dépasser, tu vois. Même moi, si j'étais spectateur, je pense que je ferais plus partie des gens qui dépassent la limite que des autres parce que tu vis le truc, t'es à fleur de peau, t'en veux. C'est dur de se contenir, de se maîtriser. Mais je vous jure que tous ces joueurs de toutes les structures françaises, tous les clubs français, ils méritent pas de la haine, ils méritent pas du harcèlement, ils méritent pas tout ça. Ouais. Et je parle notamment, j'ai vu Logan se faire, mais défoncé par, pas des fans émus pour le coup, mais se faire traîner dans la boue, ça m'a brisé le cœur. On l'attaquait même sur des trucs perso à lui et tout. J'étais en mode, mais les gars, le gars, ça incluait des proches à lui dedans. Enfin, les gars, dépassez pas certaines limites, vous avez le droit de leur en vouloir quand on se fait laver le cul, mais manifestez-le d'une manière, s'il vous plaît, respectueuse. Il y a des choses qui ne comprennent pas aussi, c'est qu'on est dans le monde, on est dans l'e-sport. L'e-sport, c'est un monde très digital. C'est un monde très digital, donc. Par rapport au foot, qui va être un truc beaucoup plus international, beaucoup plus suivi, un joueur de foot, quand il va recevoir des critiques, ils vont pas sur leur réseau parce que leurs réseaux sont illisibles. Ils ont tellement de messages que c'est illisible. Oui, c'est des stars mondiales. Nous, on est du monde d'Internet, on est du monde des réseaux, etc. Donc les joueurs e-sport vont beaucoup plus sur les réseaux que des joueurs. Et puis l'e-sport, c'est largement moins gros que du foot, que du basket, etc. Donc tu vois bien les choses. T'as le temps d'aller dessus, de lire ce qu'ils ont dit sur toi, etc. Et en fait, c'est des humains derrière le téléphone, c'est des humains. Donc évidemment, des fois, ils craquent. Évidemment, c'est pas bien de craquer. Et les gens veulent que tu craques. C'est juste mauvais et méchant. Mais n'oubliez pas que derrière, c'est des humains. Et ils ont des sentiments. Et évidemment, des fois, ils craquent. Et même, ils regrettent. Parce que tu vois, comme tu dis, Logan, il a regretté, il a enlevé son message. Il était déjà parti, mais en fait, c'est un humain. Il a le droit de craquer. Et je pense aussi qu'il faut arrêter de... Basket ? Il faut... Non, ça marche plus, c'est cassé. Je sais pas, ils ont dit que... Enfin bref, les gars, voilà, on devait quand même, vu la violence qu'il y a eu sur les réseaux depuis 7 jours, je trouve, là, concernant l'e-sport, c'était vraiment abusé, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont franchi la fameuse limite. Et il y a aussi une majorité, heureusement, qui se dressait contre ça et qui était raisonné et tout. Mais voilà, il fallait quand même qu'on prenne la parole sur ça, les gars. Même si c'est chiant, parce qu'il y en a plein pour qui c'est obvious ce qu'on dit et ça vous casse les couilles, les gars, je sais. Mais c'est quand même important de rappeler que nous, on cautionne pas les moves de harcèlement, les insultes homophobes, même les insultes sur le... Moi, j'ai vu des gars, des toxiques M8, aller insulter Kamel sur son poids. Ouais. Mais allez vous faire foutre, cassez-vous de là. Kamel, il vous dira, monte ta photo, toi, voir si t'es mieux. Moi, je vous dis, allez vous faire foutre, bande de grosses merdes. Voilà, je vous le dis. Vraiment. Et on va vous bloquer de tous les comptes M8, on va vous ban de tous les chats, vous dégagez de là, voilà, je vous le dis. Voilà. Non, vraiment, il n'y a pas de ça, c'est tout. Par contre, j'ai pas eu de risotterie. Je suis abusé, on appelle ça des petites risotteries. Il nous fait des cafés bizarres. T'en as déjà bu un. Ah, je suis comme un fou là. Ah ouais, non. Ah, frérot, pour assumer cette deuxième map, il m'en faut un, je te le dis tout de suite. Bah, un pour Coco, un pour moi, vu qu'il y en a eu un. Moi, je suis très chaud, frérot. Dark Squeeze. Non, mais les gars, non, je dis juste les termes. Non, je dis juste les termes. C'est bien dit, c'est vrai qu'on n'est pas souvent non plus. Là, on caste quand même pas mal de choses, mais c'est des moments où on n'a pas trop le temps. Enfin, pas le temps, mais genre. Quand je suis en live sur TFT ou qu'il est en train de faire son mercredi, les gars, on est sur autre chose que ce genre de choses. Mais là, c'est un peu le bon moment aussi pour en parler, parce que là, on voit de temps en temps des très bons messages. Mais aussi, là, on a vu quelques messages de haine passer là, pendant qu'on était en train de se faire péter la gueule, faut dire les termes, sur cette première map. Et du coup, je pense qu'il a raison d'en parler maintenant, tu vois. Ouais, je sais que ça fait... En fait, ça fait toujours moralisateur et chiant des discours comme ça. Et je suis le premier que ça fait chier, parce que les trois quarts d'entre vous, c'est obvious ce qu'on dit.
et vous êtes là et vous avez raison, vous vous dites bon les gars c'est bon on sait on n'a pas 12 ans et ben malheureusement les mecs il y a beaucoup de gens, faut croire qu'ils ont 12 ans et qu'ils fonctionnent pas comme vous mentalement et ça faut le comprendre et c'est de notre devoir à nous et à vous de ces gars là aller les voir et faire hey frérot calme, t'es pas obligé de faire ça, tu fais n'importe quoi, c'est quoi ça. Non voilà. Et puis même pour ceux qui ont déjà ces valeurs là et qui les défendent actuellement, enfin bref on va pas parler de ça 10 heures. Ouais mais bien sûr, mais y a, en fait même pour ceux qui défendent par exemple le tweet que t'as dit par rapport à Kamel, il y a plein d'amis déjà qui sont sûrement là actuellement sur le live qui sont partis en mode mais toi t'es de merde. Ouais, ouais bien sûr, bien sûr. Et au moins même à eux le dire là ça montre que les gars on est d'accord avec vous, on vous voit, c'est trop bien les mecs de faire ça. Et voilà, alors allez on passe au match. Deuxième map Lotus, on l'a pas vu depuis un moment et c'est la compo qui tombe. Vapor Raise Omen Fade Killjoy du côté Fnatic et Cypher Phoenix Breach Omen Raise du côté Gentle Mate. Lotus, attends, c'est un moment qu'on a pas vu Lotus. Ça fait très longtemps. Ouais. Ouais. En gros, ils jouent en double smoker, nous on joue en double duelist. Voilà, voilà la diff. Donc au lieu de jouer Viper, ils jouent Phoenix. Au lieu de jouer Breach, ils jouent Fade. Et on va commencer en et attaque. Et au lieu de jouer Cypher, ils jouent Killjoy. Non, là, il y a beaucoup de différences là. Il y a énormément de différences. Et le truc, c'est que bah, c'est un peu notre méta par rapport au profil de Nathan. Que du coup, on a beaucoup de stratégies autour de deux duelistes. Le problème, c'est que du coup, il faut être très fort en attaque. Parce qu'on avait aussi deux duelistes sur Breeze. Ça n'a pas très bien marché. Et en général, c'est des compos défensivement où tu dois aussi un peu agresser défensivement pour surprendre. Mais du coup, là, Lotus, je vous cache pas que là, si on commence en 9-3 comme le side d'avant, pour eux. C'est finito. Je sais, mec. Je vous le dis, c'est finito. Je voilà, sais, les gars. Je sais, j'aimerais tellement qu'on aille sur cette map 3, je vous cache pas. Je suis connecté, je suis pas qu'on. On en attaque. Ok, on en attaque. On en attaque. On a deux duelistes, eux ils ont deux smokers. C'est marrant, on a tous les trois du mal à connecter, c'est marrant. Moi je suis comme vous. J'ai du plus de mal à lire la game que d'habitude. Là, il se passe quoi là? Attends, on est où là? C'est chez nous ou chez eux? Mais c'est chez eux. J'ai cru que l'écran était cassé, mec. Pareil. Merci, mon frérot. Merci, Rizotri. Putain, incroyable. Okay, merci, mon frérot. J'aime bien ce qu'on propose. Merci beaucoup. Non, ils sont le sucre. J'ai cru que c'était vape. C'est pareil. Ils sont au flanc. Ils sont au flanc. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. Genre, là, c'est la première game sur un an et demi où j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Ouais, attends, on prend l'espace. Attends, et là, big duel. Et non, prends pas solo. Ok. Deux. La molly, elle est belle. La molly est belle, mais on va juste. Battez-vous ensemble. Pas de 1v1. Celui qui est 1v1, je le joue. Oh, il est mort. Non, il est pas mort. Magnifique. Nathan qui surprend avec ses flashs. Merci Nathan. Et justement, Wheeler, ce qui s'est passé? Non, il a pas réussi à tuer. Ok, il doit. Magnifique. C'est gagné. Et le pick à deux, magnifique. Bravo les gars. Allez, gentle mate. Avouez, vous savez pas combien de mates faut dire. 3. Ah, ok. Moi, je vais me faire foutre. Moi j'ai comme mes supporters, Magnifique. Allez les gars, un HP qui fait 4 kills. Ça fait du bien, magnifique. Non mais surtout c'est important que ça soit sur Nathan, car pas qu'on est sur League of Legends, mais c'est l'ulti qui va être le plus important les gars pour aller justement chercher une offensive ou bait avec. Et du coup il a chopé déjà 4 orbes d'ulti les gars, donc on est plutôt bien. C'est-à-dire que là, s'il fait un bon round, si on arrive à prendre ses orbes, pour le round bonus, où ils auront des armes en face, on aura potentiellement un ult Phoenix, et ça c'est big. Ouais c'est vrai. Attention, hein, le pick early, lui c'est un gros clicker. Là, si on arrive à aller jouer justement les orbes, attention. Faut faire très gaffe à ce mec. La flash elle est. Oh, elle est belle! Magnifique, le gun, on l'a pas stipulé, mais le gun qui est sur Omen. Ouais, c'est vrai, parce que c'est devenu normal. Hein. C'est déjà. Ah, il l'a vu ou pas le pied? Non, là il s'est. Parce qu'il a joué Cypher juste avant. Ouais, il a joué Cypher. En suivant les maps, il est capable de jouer les deux. Nathan qui pré-shot. Nathan justement qui veut là. Non, t'inquiète, regarde à quel point il est pas naïf. S'il vous plaît, joue ensemble. Je veux que. Dans tous les cas, les gars, prochain round, on a l'ulti. Parce que Nathan, soit il fait un kill, soit il meurt. Je veux pas de. Ah, il meurt. Oh, y'a rien derrière. Oh, la flash de baiser. Va le chercher. Magnifique. Eh, les gars, Nathan qui a déjà un ult. Ouais, c'est pour ça. Nana tank. On the wing. S'il peut nous faire une petite DRK. Moi je dis oui. Bah pour l'instant il est bien parti pour. Faudra lui tacasse en plus qu'à une fantôme. Je pense que prochain round.
Ah dommage. Attends, faut récupérer, wow. faut la récupérer la team. Ah mais Léo il joue au classique M8 aussi, c'est pour ça. Hop bah oh, le classique M8 là, voilà. Classique M8. Nathan il est Nathan que là il veut en découdre. Allez les gars. Non, les gars, c'est la seule équipe en Europe qui a vendu plus que nous de bundle. Achetez le bundle les gars, achetez le bundle. Bundle, bundle, ça marche plus putain. Oh ah, ça va. Il a touché deux boutons. Hein. Il a touché deux boutons, il a fait un match. Buzz cut. Non mais tu la surcharges d'informations. Buzz cut. Buzz cut. Buzz cut. Buzz. Cut. Buzz cut. Ouais. J'allais dire il a encore menacé un salarié. Oui putain. Allez les gars. Imagine, j'essaie. Attends non. Non c'est bon. Arrête de tirer. Attends, il lui reste 39 balles, c'est très dangereux. J'aime trop le bruit de sa batteuse. Wesh. Il se barre. De l'autre côté, la flash, mais la personne tri. Il y a une bulldog qui a été drop à Natank. On va en B. La Molly elle delay, mais je crois qu'on est passé. Il a mal mis. Dommage. Attends, mais surtout qu'on est mort avec la bombe tout seul dessus. Hein. Ouais. Ouais. Là, on est dans la merdasse. Là, c'est la crota, c'est la merdasse, c'est la crotofiac. Qu'est-ce qu'on a foutu là? J'ai pas compris. On est en bonus, les gars, je rappelle quand même. Hein. Oui, non, mais justement, pourquoi c'est Wailers tout seul avec Cypher qui va sur le B avec la bombe? Et ils ont l'info, je crois. Mais là, du coup, on va ignorer le spike. On va juste essayer de prendre des pics. Ils ont pas l'info. Ouais, ils ont pas l'air d'avoir l'info. Ils ne jouent pas la bombe. Mais comment c'est possible? Parce qu'il a tiré dans une smoke. En fait, Wailers s'est juste fait reveal. Il a tiré dans une smoke et en plus, c'est un Cypher. Donc tu dis pas qu'il a la bombe. Là, il va récupérer la bombe, notre tank. C'est dommage que l'utilise serve à ça. Ah non, il va la revenir avec un, mais. Oh, attends. Quoi? Il faut qu'il aille défendre son corps. Oh, non, dommage, c'était pire! Ouais. Dommage. Dommage. J'avais pas vu qu'il avait lancé de là, je croyais qu'il avait lancé de l'ouverture du site. Putain. Ok, on a une nade direct pour cancel les mecs qu'on push là. Je pense qu'il va l'envoyer cash, Natas. Voilà. Ah non, il envoie connect. Ok, du coup il donne sa pause. Mais il bait. Et voilà. Allez, c'est pas grave, Logan à la revenge. Ouais, mais là ça va être dur. Dommage, ouais. Ah, 1 mm. Dommage. Ok, on fait tomber deux armes. Beau bonus quand même. Pas un beau bonus, t'es un menteur. Le rune est cataclysmique. Il va falloir mouiller le maillot. C'est ma manière de faire apparaître les trucs sans que je sois cramé. Ah, c'est pas mal. Vous vous souvenez, à l'époque, à Micromania, ils vendaient des bundles entre le jeu et il y avait un produit dérivé dedans. Vous vous rappelez les bundles de Micromania? Oui, je m'en rappelle très bien. Ouais. C'était une époque où j'étais plus jeune où j'avais une basket. Ils aimaient bien faire des bundles. Bundle. Ouais. Bundle. Ouais. Bundle. Il va falloir... Ah, c'est l'IA, mais de 2008. Non, mais ça se trouve, il a mis un timer pour pas que ça spam. Ah. Imagine, ça se trouve. Gota Smart. Ok les gars. Ah, j'ai pas aimé ce round. De toute façon, le B, j'ai remarqué, on les aime jamais. Ça fait un an et demi, le B, on déteste. Ouais, mais c'était pas vraiment un B, on était deux. B, c'est la plus là, comment on est mort. On allait finir en B, le spike était en B. C'est juste un Cypher Wailer, j'ai pas compris la strat qui est passé tout seul sur B. Ouais. Allez, c'est pas grave les gars, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est un truc qui a pas suivi dans le mate? Est-ce que c'est un call pas compris? Nathan, il l'a pas suivi. Nathan, il a fait demi-tour. Non les gars, si on répète les mots, ah non mais il y en a qui ont pas compris, si on répète les mots c'est parce qu'il y a une IA et quand on dit le certains mots ça fait apparaître un truc de promotion. On va retenter. Buzzcut. Ah non mais ça bug, ouais. Du coup on passe pour des gros forceurs parce qu'on dit le mot 10 fois au lieu d'une fois. Ouais. On va arrêter. Ok allez, on engage sur ce C. Aïe aïe aïe. Ils sont tous là. Hein. Non, ils ont laissé passer un sur BP, on peut pas le suivre parce que du coup il y a les Molly. Et du coup Nathan qui va mourir tout seul sur le BP. Mais j'ai pas compris, c'était où les satchels de Takas? Je sais pas. Après il a plus de satchels. Parce que là en fait c'était une explosion Nathan que Takas. Attends, ils sont partis du coup, ils sont river. Ouais, ils se sont dit que c'était une fake. Non, en fait peut-être il avait juste pas les thunes pour acheter les satchels. Possible. Oh il l'a pas vu. Putain de merde, il l'a pas vu. Aïe, j'aime décale pas. Ensemble, décale ensemble. Ça va être horrible. Voilà. Non. Ouais, à gauche, de l'autre côté, tu t'es tourné. Allez. Il est mort. Ok, il y avait des tirs croisés avec Logan. Pas naïf. Là, il y a eu de la discipline de fou. Pas naïf. Attention, on peut être naïf. Ah, là, il sait exactement. Non, il a tiré. On a la pause. Parano, on sait qu'il est derrière le pilar. Ouais, mais il y a deux autres joueurs, les gars. On sait qu'il est stun derrière le pilar. Il met une reveal à gauche, voir sa push. Là c'est de la bagarre. Attends, la grenade elle est assassine. Magnifique. Oh là là, la DRK avec la smoke. Mais ouais, mais du coup l'info, ouais bah ouais. Ah, c'est trop bien fait, ils ont mis parano, ils ont pas de l'info, ils ont mis parano tout le monde. Ouais, on a pas les infos. Ah bah oui, je suis con. Dommage, c'était super bien joué la retake. Non là c'est juste fallait jouer Léo très vite là. En fait faut jouer Léo sur la parano. Ouais, fallait jouer Léo, ouais.
Ouais. En fait, nos postes plantes, quand on reste sur le site, c'est une catastrophe. Il faudrait qu'il y en ait deux. Je suis diamant, je ferme ma gueule. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais d'un autre côté, en fait, j'ai l'impression qu'on veut jouer plus discipliné. Avant qu'on. Mais tu peux être discipliné tout en avançant quand même. En fait, ouais, c'est ça. Tu peux être discipliné, mais d'avance. On pique ensemble, ça fait discipliné. Non, mais ce qu'ils ont fait pour retourner la situation en 3v3. Ouais, mais après, ils posent et en fait, ils veulent jouer de plus loin ensuite pour la défense du BP et prendre des piques. Mais le problème, c'est que. Bah, les personnes qui étaient pas là sur le BP, ils ont encore leur spell. Ouais, donc, il a pris 33. Il lui reste 33 HP. Il a tué quoi? Enfin, il a touché avec quoi? Diggle. Diggle gardien. Ah putain, c'était un bon counter, dommage, 33 HP, fait chier. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on n'est pas au courant qu'on l'a touché. Ouais, c'est Beyaz, tu vois, il y avait ouais. Une petite line-up, c'est dommage. Ouais. Les deux, on est. Mais un DRK à 33 HP, je suis plutôt content. Ouais, après. Surtout qu'on est en écho. Dans Mort-Vivant, il y a Vivant. Ouais, je sais bien, mais au moins, c'est une balle de dig. Après, il a pas l'information qu'il est lourd. On est en écho, hein. Si on met ce round, les gars. Il a donné son arme Alpha Jar. Ouais. Et là, il peut prendre une position. Qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Il aime bien les positions de ranked. Ouais, il a donné un booster plutôt. Ah, on n'est pas en full écho. Hein. Il aime bien les positions de ranked de derrière. On a une Vandal, une Guardian. Ok, là on est repéré. Ça va faire péter les nanites. Il va reprendre. Ça fait péter les nanites. Ça nous. Attention, pas knife. On sait. Il a tiré. On a l'info, les gars. Mais les gars! Ouais. On va être naïf là. Ouais, c'est ronde de naïveté. En fait, c'est pas ça, c'est qu'on meurt, c'est même pas des duels en fait. Parce qu'en duel, on est là. En fait, je me rends compte, là je me concentre un peu plus sur les duels parce que sur Bridge, j'étais en mode attends, mais les duels, on les perd pas tant que ça. Non, c'est. On meurt, on est. Con. Ouais. On est con. Ouais, ouais, en fait, c'est. Je crois, c'est le. De l'histoire de tous nos matchs, c'est le match où on a le plus. On est le plus mort. Par un tir qui ne vient pas de devant. C'est un truc de malade. Tout leur bait fonctionne. Tout leur bait fonctionne. On meurt tout le temps de côté derrière. C'est un truc de baiser. Regarde ça. Il a tiré ce gars-là avant. Ils sont pas parano là. Ils devraient avoir l'info. Il a tiré avant. Il a vu Logan dépasser. Il a tiré. On sait qu'il est là. Non mais ils osent pas. Là ils se baitent peut-être eux-mêmes. Là je sais pas. Il y a peut-être un problème. On prend la ligne à deux. Là oui. Quand il est derrière la caisse, est-ce que du coup là il doit pas continuer son move même si c'est un cipher. Tu vois, il fait sa décale sur le truc. Est-ce qu'il doit pas continuer plutôt que revenir avec les autres ou alors, il fait un jump et le deuxième il pique. Peut-être ouais. Un truc comme ça. Enfin, mais c'est sûr, là j'ai l'impression on se bait mutuellement. Les gars. À moins qu'il y ait un autre call qui est en mode on se rebarre ou j'en sais rien. Mais il y a des infos qu'on a peut-être pas. Mais là du coup ça fait très amateur quoi. Ah très beau tu de Derke qui est. Parce qu'en duel, les gars, là, Nathan, que. On va le prendre une en exemple, parce que c'est surtout lui qu'on voit depuis tout à l'heure briller. Il les destroy en duel. Hein. C'est vraiment. Sur le jeu d'équipe, en général, quoi. Après, on regarde jouer, c'est pas pareil, on a toutes les pauses, on est en spec, machin, enfin, on n'a pas le stress, on n'a rien, mais. Ouais, mais on peut dire ça une fois sur un round, mais en fait, ça arrive plusieurs fois sur plein de rounds, sur plusieurs matchs. C'est vrai. Donc au bout d'un moment, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Ah, Wailers, il doit le tuer, là. Ouais, Wailers, il doit le tuer. Il va pas gérer, il va pas donner son... Il va pas donner kill. En fait, on est trop... Ouais, on est tellement naïfs. Tu sais, on se dit jamais, il peut y avoir un mec. Tu vois ce que je veux dire? On se dit jamais, ah, il y a peut-être un mec. Ouais. Là il doit le tuer là. Là il doit le tuer tous les jours. Ouais ouais ouais. Il y a combien du coup là? 4-2. C'est trop facile. En fait le blème les gars. Oui on parle comme si la game vous avez raison on est un peu dur. Il y a 4-2 c'est pas non plus. Mais le blème c'est que c'est l'une des plus grosses maps attaques du jeu. Ouais et c'est pas ça. C'est que c'est des rounds en fait que tu peux gagner. Ou en tout cas tu peux pas leur donner. Là en fait ils font des rounds 5-0 sur des erreurs où il y a même pas de duel. Il y a un mec qui prend une position basique. Ouais, ouais c'est vrai. Qui prend une position basique, qui arrive, qui fait un triple en tirant sur trois mecs qui le regardent pas. Quoi? Non, mais vas-y. Là, c'était bon. Okay, après, c'est pas grave, on a l'arme, ok. Là, c'était. Après, là, c'est l'anti-strat. Là, c'est Fnatic qui ont très bien joué. Là, c'est l'anti-strat. Ils ont... ouais. Savaient vérifier qu'il y avait la flash Nathan qui arrivait. Ouais. Et on est en écho. Là, faire du 1 pour 2, c'est ok. Il aurait pu faire bien pire. Il a pas réussi à prendre l'arme. On va aller prendre l'arme. On a l'ult.
Allez, les gars. Allez, faut mettre les prochains. Ah, attendez, non, mais même Siron, on peut le mettre. On est 3 ouais, des 4. Ouais, je sais. Mais après, très low. Nathan qui a récupéré. Ouais, mais on a un ulti Nathan. Si Nathan, sur son ulti, arrive à faire un petit truc. Faudrait qu'il prenne un kill. Au moins faire peur pour qu'on puisse prendre de l'espace. Ok, là, il a des infos. Il va pas être rétif. Qu'est-ce qu'il met en 2 secondes? Alors, pour le défendre un petit peu, les gars, il peut pas faire grand-chose la plupart du temps. C'est qu'en gros, il suit des strats où il doit passer devant, sauf que bah, quand tu te fais anti-strat, c'est toi qui meurs en premier. Quoi. Là, il se fait stun. Ouais, il fait son rôle d'opener. Quoi. C'est soit ça passe, t'es un héros, soit ça passe pas, et on a l'impression que t'es nul alors que non. C'est... Alors que Nathan peut briller plus facilement. Nathan peut briller plus facilement parce qu'il a des rôles un peu plus solo dans son coin, il a un ulti. Magnifique. Oh waouh, un beau shutdown de Beas pour le coup. Oh, magnifique. 2v2, ils vont le faire, ces grands fous. Ils vont le faire, ces grands fous. Ah, surtout qu'il y a un ulti. Isole, dommage. Non ! Attends, oui, c'est un ulti. Pardon, j'ai pas vu. Molly. Delay. Oh ! Le feu ça brûle, Buster. Après les gars, le feu ça brûle. Même s'il a un rôle qui le met en lumière, on attend que c'est quand même le best. Ouais, non, il est trop fort. Il kiffe tellement. Il est trop fort. Ouais, nos ultras, merci. Merci les gars. Nathan Code The Wing. Il est trop fort. Merci les gars de venir. Vous savez, ah, les gars, qu'on il perd un pas peu. Un duel. Nathan, c'est gentil. Les gars, merci les mecs. Il est trop fort. Il est trop fort. Ouais, il est trop fort. Il a fait le round. Regarde là, c'est lui qui va revenge derrière. Donc tu vois, il passe en troisième. C'est ce que je vous disais un petit peu. C'est qu'il y a deux personnes qui passent devant. Il passe en troisième, mais il est là. Il est là, tu vois. Il se loupe pas. Hop, derrière, il va récupérer l'arme. Il va open le BP. Il va mettre son ulti, il va prendre ses responsabilités parce que comme ça en 2v2 mettre son ulti ça peut être un peu risqué. Ça peut être un peu risqué, tu peux faire perdre le round carrément si jamais tu... T'es beau. Tu me mets mal. Non, il y a Nathan qui part nous donner un clutch. Il est trop fort. Très 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 important les gars. On a très, un très round, on a un round fort, on a 4 ultis, il y a ulti aussi Alphageur. Basket. T'as dit basket? Ouais, en ce moment aux US, j'arrête pas de checker un peu le basket. Attends, mais pourquoi ça marche? Quoi? Ça fait quoi? Pourquoi ça? Et là, j'aime beaucoup la trajectoire que prend LeBron James là au basket. Au basket, il prend une trajectoire. Cool. En fait, le mot basket, il le reconnaît pas. Donc, Rizzo, il a mis un mot proche, c'est basket. Ok, allez les gars. Un peu c'est basket avec un petit accent québécois en soi. Ouais. Basket. Ça marche pas. Là, tu sais pas si j'ai dit basket ou basket, tu sais pas, t'en sais rien. Allez les gars, nouveau round. On va atterrir en C1 a priori. Hein. C'est un gros fake en A qu'on fait. On sait que je joue Odin ici tout le temps. Pour l'instant, l'Odin fonctionne pas trop. Non, on n'est pas tombé dans le piège de l'Odin. C'est bien, t'as raison de souligner le positif. Le problème, c'est que c'est Lotus, je vous ai dit, c'est une grosse map attaque, donc en fait, on n'a pas trop le droit à l'erreur là, tu vois. C'est ça qui me stresse, moi, personnellement. Ouais, alors après, j'ai parlé beaucoup du côté attaque, mais eux, du coup, ils ont une très grosse équipe défense. Ils ont deux smokers, c'est chiant d'attaquer deux smokers. Dommage. Oh, Buster qui va réussir à pick, il est un HP, non, et Derke qui va réussir à prendre la ligne derrière, éliminer aussi Takas. Je pense que si on perd ce round, mais Nathan qui a envie. Les gars, Nathan qui a envie. Nathan qui a envie. Tant que Nathan qui a envie. Nathan qui a envie est sur l'aile. On the wing. On the wing, t'inquiète, j'avais, t'inquiète. Ok, super. Ils vont nous laisser le BP pour effectuer une retake parce que. T'inquiète, serait bien. L'retake en C, c'est très très fort. Là, encore une fois, pour prendre sa défense, qu'est-ce qu'il peut faire? De base, il y a un duel contre Beyaz qui met à 30 HP. Du coup, Beyaz. Oh. Attendez, parce que attention, Nathan encore, oh, dommage. Dommage, il en prend deux, il en prend deux. Ouais. Donc là, Beyaz prend son duel, il le perd, il le met à 30 HP. Il dit à Takas qui est derrière lui un HP. Ce qu'il a sûrement dû dire avec un accent turc. Du coup, bah, Takas il tire à travers le wall et il se fait travers par un autre derrière. Tu vois, il subit un peu le truc quoi. Là, bah ouais, il subit, c'est. Bah, vous savez quoi, on va voir Derke comment il va jouer en attaque. On va comparer. Si on défend bien, logiquement. 5-3. Un accent turc. Bah, parce qu'il est turc, les gars. Bien. C'est quoi l'histoire de l'accent turc? J'ai pas suivi. Je sais pas, il essaie de me faire sur le chat comme s'il avait un truc raciste ou j'en sais rien, alors qu'il est juste turc en fait, les gars. Oui, il a un petit accent turc. Pourquoi?
Bah, carrément, il est turc. Ouais, oui, c'est possible. Il est turc de base, les gars. De base, il est turc et il a appris le français derrière. Instant value of like leaving a double lurk that is your initiation. Jamais joué au jeu, je comprends rien, mais c'est un kiff. Il y a des vidéos explicatives, je sais pas si on les a mis sur YouTube. Ouais, c'est en non répertorié, donc s'il y a un moment que t'es bien fait et qu'il y a le point d'exclamation Valo. Ouais. Ah, c'est sûr que c'est pas le basket là, c'est un peu plus compliqué de. Attends, j'ai regardé en plus, elle est vraiment revenue quoi. C'est un peu plus compliqué de comprendre la première fois qu'on regarde. Il va prendre l'orbe, il va avoir son ulti encore. C'est son millième ulti déjà. D'ailleurs, on a 5 ulti, ok. Voilà, Nathan qui va y aller, mais il y va tout seul, donc je pense qu'ils vont avoir l'info qu'on n'est pas là. Enfin, qu'on n'est pas là. On est là, qu'est-ce qu'on fait, on va en B en fait. Ah, les B, putain, les B, je les aime pas. Ouais, je les aime pas, mais dans l'instant T, il n'y a personne. Après, ils arrivent vite, attention. B comme basket. Ça n'a pas marché, chef. On a l'information que Darkie se fait. J'aime pas les B, je vous jure. Avec la cadence de tir. Non, du fil Takas. Ah, ils arrivent à 3 ou 4. Oh! On voit, non, dans le dos, on voit. Non, non, mais tu vois, c'est ça le problème. C'est comment il peut arriver dans le dos et prendre. Tu vois, c'est encore la même chose. Il arrive par où? Là où il y avait les traps de Cypher, je passe. Non, Cypher était pas mort, ce dernier survivant. Je comprends pas. J'ai pas compris par où il est arrivé. Il est arrivé par le couloir normal. Il y avait un trap de bas Cypher, mais je sais pas s'il est arrivé en face là. Ouais. Pas comment savoir, comment c'est possible. Salut Squeeze, c'est quoi le sport national aux USA? Yeah, c'est le basket. Il a avancé basket. Comment c'est possible qu'il arrive là? Ouais. Rien, il avance normal comme si c'était une solo queue. Comme. Atakas il meurt dans le dos, donc ouais, son score négatif qui a continué, un 9, mais là de base il met un ulti pour mettre. Non, parce que je suis direct avec mes joueurs, mais il y a des moments, les gars, j'ai le sentiment ils peuvent rien faire, et là à chaque fois il se prend des. Ah. Bah là, enfin, il peut rien faire. Ouais, là, ouais. là, illustration parfaite, là il peut rien faire. Qu'est-ce que c'est à lui de regarder? Quoi, il va. Voilà, il est en mode tilt ou c'est quoi? Ouais, il est peut-être en mode tilt là. Il a tilt ou quoi là? Il se passe quoi là? Quoique, peut-être il a juste dit, mec, j'ai un Stinger, je fais une prise d'info, je vous dis combien ils sont, j'en sais rien. Peut-être, hein. Tu vois, avec un peu de chance, j'en prends un en plus, je sais pas. Non, oui, en effet, c'est pas le basket, le sport national aux US, c'est le football américain. Vous avez raison. Je suis dégoûté, n'empêche. Ouais. Parce que moi, j'ai dû faire une buzz cut. Ah bah moi je dois appeler Seco mon maître pendant un an, mec. Imagine, tes interactions. Imagine Seco, le petit con de Seco, je dois l'appeler une maître. Une fois par semaine. Non, non, méfie-toi. Et quand il vient, tu sais aussi, j'adopte un comportement comme si c'était mon maître, quoi. Je baisse un peu les yeux. Ah ouais, c'est chiant. Tu vois, c'est terrible. Et ouais, il a gagné le major. Sa barbe, elle a déjà limite repoussé. Voilà, c'était ça. Donc lui, la punition, elle dure 2 semaines. Moi, en plus, c'est une punition qui s'est ratée de base. C'est quoi les types pire que la ce que vous savez. C'est quoi les types de chaussures pour faire du sport, Squeeze? C'est des baskets. Elle a bien réagi là. Attends, Logan qui a fait un bon flanc. Dommage. Dommage. Ouais, dommage. Dommage. On n'aura pas le temps de poser. On n'aura pas le temps. 7-3. Allez, faut aller chercher 7-5 là. Ouais, faut aller chercher 7-5, sinon c'est très très compliqué. Faut aller prendre le 7-5. Faut aller prendre le 7-5, les gars. Désolé, je fais des blagues pour contrebalancer le stress et le. Et la souffrance. T'as vu, il est. Comme toi. He feels desperate. Source of scenes for Gentlemates previously. Nice, Jay. Good com. It's fine, good com. C'est quoi le pain le plus populaire en France, Squeeze? C'est la baguette. Il tente avec deux. Très malin. Il tente avec deux voyelles, ils vont pareil. Très malin, bien joué, vous êtes futé. Pour voir ce crâne d'œuf, vous rusez bien. Allez les gars là. On va faire des kills là. Existence has taken a leaf out of one of Angel's older books. Yes, yes. Allez. I
C'est pas une écho là, celui-là il faut le mettre, il est vraiment important. Allez, Takas, open, allez mon frère. Allez mon frère. Tourelle dead, nade lancé. Est-ce que maintenant tu flash? Pas naïf. Prendre l'espace, j'aime beaucoup. Oh. Ça y est, on prend un crack, dommage. Il a pris tout l'espace du jeu. Putain. C'est Wailers à la map? Wow. Ouais, nos B sont dégueulasses. En fait, on pose la bombe, mais après c'est... Ouais. Sit back and watch this one pass it by. Well, ouais, les gars, là, je c'est dur. J'arrive même plus à rire, c'est dur, les gars. It'll be a tough purchase here for Gentlemates. And yeah, in this situation, I mean, the last person you want to see getting started. Aïe, aïe, aïe. Une ambiance tapeur. Pardon, je tire le fil. Et les ultras qui donnent de la voix, merci les gars. Merci beaucoup. Vous avez plus le moral que nous, je crois. Vous êtes plus courageux que nous. Allez les gars, gentle. Wait. Je comprends pas comment on joue là. Je comprends pas non plus. Je comprends pas non plus, frérot. Je suis débordé. Pareil. Débordé, c'est le mot. Ouais. Mais y a pas que toi qui est débordé, je crois. Je suis débordé. Ouais. Open. Okay. À open, on y va. On a utilisé l'Ulti Viper, c'est un très bon. Tout le monde a rota C. Pour le coup, là, la macro, elle a bien marché. Tout le monde a rota en C. Ça va revenir dans 10 secondes. On va voir comment on va défendre. Comment on joue une pose plante. C'est parti. On a posé pour l'extérieur. Ok, beau gosse. Allez, prends sa vandale. Beau gosse. Nique le leurre, prends la vandale, magnifique. Donc, l'Ulti derrière. Ok, il gagne du temps. Il gagne du temps. Il y a personne, il se dit non, parce qu'on a un Ulti Bridge, quoi. Ah non, on n'a pas d'Ulti Bridge. Attends, comment on va les reprendre? La tenter. Il clear définitivement l'arbre. Magnifique. Okay. Magnifique. Okay, c'est super ça. Il reste un mec? Non. Oui. Merci Takas. Takas qui a fait un super beau round. Bravo mon frère. Allez. Allez. Allez les gars. On a posé la bombe en A. Le premier duel a été juste devant le B. Allez les gars. J'ai pas compris non plus le round comment ça. Même là on a vive le BP. Mais après c'était bien joué parce que du coup. Incroyable. Ouais, non, on a fait un super round là. Le round est incroyable. Ah non, le round en termes de macro, les gars, quand si vous le revoyez. Chier, on dit, mais quand en termes de joué, macro, le round était fou. Parce que justement, on a posé la bombe, on a quitté le BP parce qu'on savait qu'il y avait ulti. Parce qu'il y avait une raise. Donc on a tous live. Donc le mec, il vient avec son ult, il pense prendre un pic ou gagner du temps. Il y avait ça personne. Sert à rien. Ensuite, non, pour c'était magnifique. Pour reprendre le tri petit à petit, qu'est-ce qu'on fait? On envoie Nathan, Takas le suit directement. Nathan qui pète son duel, il court avec le cut pour aller prendre des informations. Il y a Takas qui est derrière pour la smoke, qui revenge. Non, le round était bon. Le round était super bon. Le round était bon. Faire des rounds comme ça tout le temps. Allez les gars, on croit à une remontada. Le blème c'est que là c'est eux en attaque et c'est une énorme map attaque, ouais. Lotus les gars. Après on a deux duelistes donc on va essayer de défendre le A haut. C'est pour ça on peut voir là qu'on a trois joueurs qui sont partis. On va laisser le C, mais on va mettre un coup de. Est-ce qu'on va mettre un coup de cam? On va comprendre, on a laissé totalement le C, mais là on va comprendre qu'il y a personne. Il y aura un coup de cam normalement. Il y a cam. Non, sa cam est en A. Non, sa cam elle est au-dessus de Viper, non? Ah non. Non, B, c'est du C. C'est totalement du C. Ah non, elle est sur la porte du B, je crois, non? Je sais pas. Elle est là? Ouais, elle est là. Ah, elle est là. Faut juste qu'il décale ensemble, s'il vous plaît. Donc là, on décide de. On a fait un pari. Décale ensemble. Ou... Ouais. Allez, on tue. Magnifique. Allez, et 2-1. Rookie de Nathan. Attention. Rookie 2, allez. Attention, allez. Rookie Hello. 5v3, les gars. 5v3, la moitié. On sait qu'il y en a un derrière. On sait qu'il y en a un ici. Allez, les gars. C'est les autres derrière qui doivent faire le mouvement. C'est Takas qui doit faire le mouvement. Ah, il a été vu. Logan a été vu. Takas est passé. Ils ont pas l'info. Ils l'entendent. Ils font 3. Ça, je comprends pas, frère. Comment 3 mecs qui sont sur le BP où on connaît 2 positions sur 3? Parce qu'on commence bien là, c'est super. Hop là, ça arrive derrière, ça revenge. Hop, Takas qui lui met une tête. Et là, comment il tue ici? Ensuite, il prend. Comment il peut avoir autant de 1v1? Ouais, je comprends. Je comprends. Je me retiens. En fait, on a fait le plus dur.
slow things down there. And I kind of like seeing Existence get a little fired up by seeing the loss in that, because you could tell the gravitas of that round. En fait, les gars, c'est déjà des erreurs qu'on faisait l'année dernière, mais vu qu'on était au-dessus du niveau VRL, même s'il y avait des erreurs qui se faisaient comme ça, le niveau individuel, vu qu'on était quand même largement au-dessus, faisait que on voyait moins les erreurs. Là, le problème, c'est que bah, c'est des Fnatic en face, c'est des cassés en face, c'est des équipes qui sont en place et qui font très peu d'erreurs, et si t'en fais, ils les punissent instantanément. Et là, du coup, on voit totalement toutes les erreurs de micro qu'on peut faire. C'est là c'est alarmant parce qu'on en fait vraiment beaucoup. Still a lot of utility in play. Bayaz, the tank, they've got a fair bit of kit now. Takas even still has that paint shell as well. Can they deal with this? Is there going to be that late pivot towards B? We know Fnatic can run that in the past. Ok, 63 HP. Superior weapon, même 30 seconds, this stack has been juste un scout, hein. C'est qu'on a juste un scout, la grenade qui peut faire très mal, il va pré-shot, voilà, il va faire son move. Oh, that almost breaks my heart. Because they got the read right. I liked what they on a le read, effectivement, comme il dit, on a le read, on est 4 sur BP, on s'est fait ouvrir. La build était exceptionnelle. Ce qui m'énerve, c'est que par rapport à la macro, du coup, ça se voit que Exy, c'est ce qu'ils vont faire. Les strats qu'ils donnent sont bonnes. Je vais prendre de l'eau, j'arrive. Derrière, on ne sait pas quoi. On fait des erreurs grossières. Allo. The reveal flawless from Leo, giving the game away on A site. Yeah, and Andalusia flawless, not going to help out matters coming into this round as well. Money going to be sitting comfortably. You already have the ult there for Durka too. It's compounding the problems. Bayaz feeling the pressure early. Ah, attendez, hein, parce que là c'est le round qui va déterminer l'issue du match là. Clairement, il y a 10-4 pour Fnatic. Ils ont gagné le gun round. Mais là, du coup, on a acheté. Eux, normalement, sont moins bien que nous économiquement. Et encore, on voit deux Vandales, hein. deux Bulldogs. C'est ce round-là qu'on doit marquer maintenant pour potentiellement revenir. Oh, si Bayaz tirer. Oh là, il y a tellement de gens. Hein ? Oh, dommage. Ok, c'est bien, du 1 pour 1 quand même. Du 1 pour 1, il a quand même réussi à toucher Derke et il a fait utiliser un ulti pour mourir. Attends, il est tout seul ou quoi là? Sur BP. Oh, le timing. Non, timing. Ah, en même temps, il était tout seul sur BP, les gars, il peut pas prendre les deux côtés. Et nous, on a pas le timing sur Logan, putain. Magnifique, j'ai Logan. C'est très naïf. Attends, mais trop de temps arrivé, Nathan qui est tout seul sur BP trop longtemps, les gars. Coup, il doit regarder à droite, il doit regarder à gauche. Watching with the flawless in the previous, Fnatic are going to look fairly flush financially. Ah, mais c'est même pas l'ulti qui l'a tué. Struggling. Nice clean up as well. It was Alpha to find the entry there. Looks as if. We'll see a gentleman. And I think. Je comprends votre colère dans le chat. Je comprends votre colère. Smoke, ouais, il y a peut-être une smoke qui manquait, je sais pas, mais il y a des choses qui font que là en fait. Bayaz fait son taf, ok. Il y a un plan de jeu, il est avec une batteuse, il est derrière le wall, ça ouvre la porte, il tire, il en prend un, il en met un autre low. Ils doivent être 3 plus un ulti pour le tuer. C'est bon, on fait du 1 pour 1, on a les informations, il y a quelqu'un qui est passé tri. Mais là, faut qu'on réagisse plus vite. Il y en a tant que sur le BP, le problème c'est que ça peut arriver à sa droite, ça peut arriver à sa gauche, faut qu'on l'aide plus rapidement, faut qu'on mette des smokes, faut qu'on mette des choses. J'ai l'impression qu'on se bait tous en fait. Donc Logan, du coup Nathan qui doit faire une chance sur deux, et du coup bah oui, c'est Derke qui a l'avantage dans le duel parce que bah Derke sait qu'il a pas besoin de regarder sa droite, il sait qu'il a juste à regarder en face de lui, il a 200% dans son duel, tandis que Nathan qui fait des gauche droite, et là ça arrive trop souvent ça aussi, tu vois. Là, faut arriver plus vite, faut lui mettre les spells, je sais pas, après il y a des choses que je vois peut-être pas aussi, tu vois, mais là on leur donne le BP trop facilement, tu vois. Et le main problème, on tue pas. Ouais, on tue pas. On tue personne. À part Nathan, on tue personne. Ouais. On tue absolument personne.
Allez, qu'est-ce qu'on propose? On est 3 en C. Il y a la cam de Cypher en B. Pour le moment, on a l'air de faire le bon pari. On a Nathan Kebeyas qui vont push pour tuer le mec qui a été déposé, c'est-à-dire Booster, sauf qu'au final. Non, ils vont pas cross the wall. Non, ils y vont pas. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, on serait tombé en 2v5, en 2v4. On recule. On a Beyas qui est déposé. Hein. Il a pas pris de dégâts. Il s'en sort. Il a pas pris de dégâts, on a l'information qui sont minimum 2. On met notre spell en grand. Ouais, ils jouent un peu avec nous. Hein. C'est une équipe là qui fait quand même pas mal de dégâts. Là, ils vont en C, mais regarde, on n'a pas bougé. Pas naïf, on n'a pas bougé. Il faut tuer. Maintenant, faut juste tuer. Logan, Wailer, Takas sont là. On est tous là. Pas naïf. Il y a la même la parano pour la décale de la mort. Malheureusement, ils ont une contre-parano en face aussi. Je comprends plus rien. Wailer, ce qui est toujours là. On a passé sur la PV de nos deux joueurs. Ils étaient. Après, est-ce qu'ils ont l'info qu'on est autant nombreux? Eh ouais, Wailer, ce qui se prend un flic. De toute façon, il était très très lourd. Il avait 20 HP. Beau kill de Takas. Derke qui est sur site. Logan qui prend un kill. Attends. Qui prend Logan. Ça commence à planter. Là, on est 3 sur site, on est 2 river et un CT. Ouais. Plant secured. Time on Fnatic side. Bayers and the tank. Gotta find value now. Dirk up. La flash. Bon, le wall est bien. Le wall de Nathan est bien. La flash et les pixels. On permet d'avoir un kill. Le kill revenge instant par Léo. Et là, c'est un V2 du capitaine. Qui va se faire double ligne. Presque. Dommage. Ah, ils étaient empilés. Presque. Dommage. Ah, aïe aïe. Désolé les ultras, désolé. If you make this comparison to where, you know, Gentlemates did group and hit a site together, just the difference in utility, the protocol list on the way in, the execution. Three Guardians, two Bulldogs, a TP for Logan. Ouais, c'est dur. Après, Exy avait dit avant le début de la saison, même avant même le début du kick-off, qu'on se laissait une année pour apprendre, mais là, il y a quand même un gap. Là. Ah, le gap est trop grand. Et là, on give up, clairement. Le gap est trop grand, là. C'est pas normal, les gars. This is going from bad to worse. You even got the lockdown ready. Chronicles got his ult too. Everything coming together. You can already see it now. They have to dip so far away here, Gentlemates. It's down to the last three. 5v3 retake versus Fnatic with utility. Welcome to lacking weapons. You're just hearing it. Yeah, with a pit laid on top impossible. Here. Ça va être très dur en tout cas, Ulti Viper. Tough times now ahead. Aïe. Tant qu'à faire. Bayas peut-être. Il a passé un dommage. GG Fnatic. Dommage, on n'a pas eu de match. Un no match pur et dur. Bah ouais. Un no match pur et dur. Top 1, top 2. On va pas se cacher, les gars, même c'est nos joueurs, etc. Là, actuellement, on n'est pas au niveau. On peut se dire sur un match qu'on n'était pas dedans, on peut dire beaucoup de choses. Et là, c'est exactement les mêmes erreurs contre Cassé, on se prend des trucs. On donne des opportunités à nos adversaires beaucoup trop faciles. Merci aux ultras qui donnent quand même de la voix, qui soutiennent. Merci énormément, les gars, ça fait chaud au cœur. Vous êtes vraiment des énormes beaux gosses. Et on donne vraiment des opportunités trop faciles à nos adversaires. Et ouais, même individuellement, tu vois, on manque de kills. Individuellement, là, c'est. Ah, excusez-moi, c'était un peu tôt. Individuellement, on n'était pas du tout au niveau. Individuellement, absolument pas au niveau. Du tout au niveau. Ouais. Pas une seule seconde. Ouais. Je crois qu'il est turc aussi, Alpha Jersey. Ouais. Bah ouais, ils se connaissent avec Bigas. Ah non, mais là c'était un no match pur et dur, GG Fnatic.
c'était individuellement, il n'y avait pas de... Il n'y a pas match, les gars. Il n'y avait rien, quoi. Nathan, qui était au niveau, là, sur le match, c'est tout, quoi. Ouais. Sauf que c'est pas suffisant, quoi, contre une équipe contre Fnatic. C'est pas suffisant contre n'importe quelle équipe de Vesper. Nathan, qui était au niveau individuellement, mais tu vois, toutes les fois où il y a une espèce d'incompréhension de si on va sur PP ou pas, il faisait partie des personnes qui étaient dans l'incompréhension. Donc, ouais, bien sûr, mais il n'y a pas eu que ça. Je pense que là, il n'y a personne qui est réprochable. Après, c'est vrai que Nathan qui a montré des très belles choses. Surtout ses rounds, il y a quand même... Individuellement, il a un énorme problème sur tous les rounds. Ouais. Les gars, Il y a très peu de duels. Je suis désolé de vous faire vivre des émotions littéralement inverses par rapport à celles qu'on a vécues toute la saison dernière. Le level est beaucoup plus haut. C'est l'histoire, les gars. Mais là, ce qui me saoule, c'est que... Et je sais que ça va vous énerver, cette phrase, mais ils n'arrivent pas à se trouver, nos joueurs. Là. Le roster n'arrive pas à se trouver. Il y a moins d'âme, il y a moins de choses que l'année dernière. Je suis désolé. On joue comme ça. L'année dernière, je sais même pas si ça passe contre Mandatory. Sincèrement. Non, on jouait déjà comme ça l'année dernière. On jouait déjà comme ça l'année dernière. Je trouve qu'on jouait... Non, c'est juste que c'est de la VRL. Et l'année dernière, on regarde compte le nombre de fois que Logan a mis des 1v3. Le nombre de fois où Beyaz et Wailers ont mis des 2v4. Tu as raison. En fait, on faisait énormément d'erreurs comme ça. Sauf qu'en fait... Mais eux aussi en faisaient. C'est vrai, du coup, en gros, ça compensait. Et en fait, des runes qu'on donnait, ils nous en donnaient aussi en retour contre toutes les équipes. C'est vrai. Limite, Mandatory, celle qui nous en donnait le moins. Mais là, quand tu les donnes, derrière, on t'en donne pas, quoi. C'est tu donnes, tu offres et on t'offre pas en retour. Ouais, non, eux ils offrent pas en retour, les gars. Eux ils offrent pas en retour. Ouais, c'est. Putain. Et t'appuies sur ce bouton si jamais tu veux. Ah, merci. Je suis déprimé, les gars, c'est dur. Non, c'est juste ça, tu vois. Et voilà, les gars. Franchement, y a pas d'excuses. Hein. On a affronté top 1, top 2 Europe, ok, c'est cassé top 1 et Fnatic top 2 sur le papier, d'accord, mais là le gap il est trop grand, c'est normal. Fnatic de top 2. Oui. Là, Fnatic sont top 3 et 4 avec Navy. Oui, enfin après ils ont fait un mauvais début de saison Fnatic, mais en vrai. Oui, ça reste Fnatic. Ça reste Fnatic, faut arrêter. Non, mais ils ont perdu là, juste avant je crois. Ils sont en 2-1 là actuellement. Ouais, ils ont perdu. Ils sont en 2-1 actuellement, ils ont perdu un match, mais ça reste Fnatic, c'est pas. Je pense que sur la moyenne de la saison, ils sont, tu vois. Mais peu importe, c'est pas une excuse. C'est-à-dire, il y a pas d'excuse. C'est justement ce que je voulais dire. Il y a pas d'excuse là. Le gap est trop grand et c'est pas normal. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on enchaîne. Attends. C'est quoi là? Ça dit quoi? C'est LOL? Ouais, ça va peut-être potentiellement enchaîner. Ça va enchaîner sur LOL. Ouais. Combien de matchs LOL? Parce que normalement, c'était à 20h, mais je crois que du coup, vu que le premier match, c'est BO3, je crois que le premier match a été rapide. Du coup, là, on va peut-être jouer dans les 15 prochaines minutes. Oh putain! Ouais. Et on va changer. On va passer sur ta chaîne à toi pour le match LOL. Il y a Dwagby qui va venir me remplacer. Ouais, sauf que Dwag il s'attendait peut-être à 20h, donc peut-être que. Ah, il sera peut-être en retard, mais moi je dois foncer, j'ai mon live du mercredi, faut que je le fasse. Non, mais on fait un petit débrief de 5 minutes, je pense, parce que là ça va encore commencer là en soi. Il se prépare pour. Ok, il se prépare, ok, bon bah on a 5-10 minutes. Ouais, on a 5-10 minutes. De toute façon, on a juste à changer le flux et. Ouais, ça va aller vite. Les gars, de toute façon, écoutez, on savait que ça allait être dur, peut-être pas autant. Peut-être pas autant. C'est vrai. C'est vrai, on savait que ça allait être dur. Cette saison en VCT, ils l'ont mérité. C'est littéralement grâce. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'histoire, c'est que c'est que des équipes qui ont été acceptées sur dossier. Nous, Gentleman n'existait pas au moment où ils ont fait ce truc d'appel à candidature. Et nous, on est passé par la grande porte avec le tournoi d'ascension. Donc voilà, ces joueurs méritent d'avoir. On est passé par la VRL, on a leur gagné le premier split. On a gagné le deuxième split, on s'est qualifié du coup aux ascensions. Là, on a gagné les ascensions. Ils méritent d'avoir leur place en VCT et de faire une saison, quelle qu'elle soit. Ils le méritent. On leur doit ça. Et on espère vraiment que tôt ou tard, ça va le faire et qu'ils vont trouver leur manière de jouer et qu'ils vont réussir à corriger toutes ces petites erreurs qui font qu'à un niveau comme la VCT, ça te coûte les games, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais, quand tu fais une erreur, quand tu donnes un round, en face, ça le prend directement. Tu vois. Donc, contre des BBL, pour l'instant, c'est passé. On a fait moins d'erreurs et en plus, ils sont. Les BBL ont été moins punitifs que des équipes cassées et Fnatic. Mais là, clairement, entre Fnatic cassés, qui du coup sont le haut du panier européen, et nous, là, il y a un gap. Là, les gars, ça fait chier de le dire. On est tous des winners ici, on aime tous gagner, on aime tous la compétition. Et on aime tous avoir des excuses quand ça va pas. Là, il n'y a pas d'excuses actuellement, il y a un gap. Et il faut qu'on trouve des solutions très rapidement, soit le style de jeu, soit les rôles, soit machin, soit ça sera juste une année pour du beurre. Mais en tout cas, un truc qu'on ne pourra jamais remettre en question, c'est le fait qu'ils ont mérité leur place pour les VCT, les gars. Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte de perdre et qu'il n'y a pas de problème avec ce qui se passe, les gars. On est dévastés comme vous, on a la haine. Parce qu'ils donnent vraiment les moyens, les gars, ils jouent vraiment tous les jours. Mais on regarde les scrims, ils se donnent vraiment à 2000%. Ouais. Donc, non, c'est pas en mode volontaire, ils veulent int ou quoi que ce soit. Non, ils se donnent vraiment les moyens. C'est juste là, le niveau est très haut et il faut réussir à rattraper ça rapidement. Quoi, ouais, on a eu le droit au bonheur sur Rocket League, on a eu le droit hier au bonheur sur LoL. Et puis ils ont aussi le droit d'apprendre. Ouais, c'est ça. Ils ont le droit d'apprendre. Bah là, t'apprends la dure. Là, t'apprends la dure. Ah, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que cette année. D'apprendre. Ils ont le droit d'apprendre et de,
de se jauger, etc. Là, on sent, en fait, là, on sent que, même pour ceux qui ont subi l'année dernière, on sent qu'ils sont pas. Ils sont comme ça, quoi. Ils jouent avec la peur. Ils jouent, ils ont. Ah, en fait, notre saison, les gars, rappelez-vous, elle a commencé contre Mandatory, qui était quand on était SBG, qui étaient les favoris de la ligue. On leur a mis 12-4, je crois. Ouais, on est arrivé comme ça, on avait torse bombé. On est arrivé, on était en mode. On n'a rien à perdre, et on leur pète la gueule. Là, le problème, c'est qu'on arrive avec du coup une fanbase qui a des attentes auprès des joueurs. On arrive après contre des équipes. Là, tu joues Fnatic, les gars. C'est une équipe, ça se trouve, la plupart de nos joueurs de base étaient potentiellement fans. C'est des trucs que tu regardais où ils allaient jouer. Tu vois, nous, on était dans la VRL. C'était les champions du monde à un moment où ils gagnaient tout dans le monde entier. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tes duels, tu les prends aussi un peu différemment. Je sais pas s'il y a un blocage mental, s'il y a des choses. Non, mais il y a les deux. En fait, je pense que c'est un tout, bien sûr. C'est un tout et il y a tout ce que vous venez de dire qui joue dans la balance et qui fait qu'on se prend des 13-4. Quoi. Voilà. Ouais. C'est terrible. Bref, en tout cas, voilà. Moi, je continuerai de les soutenir parce qu'ils nous ont fait rêver et qu'ils méritent d'être là. Ils méritent cette saison. Voilà, j'espère qu'on vivra des émotions plus positives qu'on a vécu il y a pas longtemps avec le Major de Rocket League, les gars. On a quand même gagné le putain de premier Major de Rocket League bien de sûr, l'année, ce qui est Big de chez Big. Oui, ben les gars, rappelez-vous de ça. Parce que c'est vrai qu'on a le droit d'apprendre. Parce que sur Rocket League, on a un peu appris. C'est un peu différent aussi, dans le sens où on vous disait, les gars, ils sont pas forcément dedans, machin, etc. Il y en a certains qui voulaient les envoyer au bûcher dès le deuxième régional en mode ouais, on a perdu une fois contre BDS 4 ans, là on repère 4-0. Les gars, on n'y arrivera jamais rien avec cette équipe. On arrive au Major, on n'a pas perdu un match, on a gagné toutes les meilleures régions. Donc après, c'était sur l'instant T. Peut-être que plus tard, on reperdra. Peut-être qu'on continuera de gagner. Je ne sais pas. Là, ça va reprendre à la fin du mois. Mais tu vois, genre, on a appris de nos erreurs. On a travaillé. On a encore plus travaillé. En fait, ce que je retiens, c'est qu'il faut laisser du temps aux gens pour qu'ils s'adaptent et qu'ils corrigent des choses, et qu'ils apprennent aussi des choses. Et combien de temps, et je sais qu'ils en sont capables, le roster Valo, combien de temps ça va prendre, je sais pas. Et je pense que c'est la question que toutes les structures se posent quand elles ont un roster dans lequel elles croient mais qui n'arrivent pas à se trouver parfaitement, c'est genre combien de temps ça va mettre, quoi. Parce qu'on va pas attendre. Enfin, là en l'occurrence, si on va attendre, mais t'imagines, ils font toute une saison comme ça. C'est tellement triste, mec. C'est tellement triste. Alors que j'y crois totalement, moi. À un moment donné, à retrouver cet éclair, ce truc, tu vois, j'y crois totalement. J'espère juste que ça va arriver avant août, quoi. Je rigole, c'est nerveux. Non, mais t'inquiète. Mais moi, je commence. Bon, les gars, Valo, c'est mon jeu. Tu m'as déteint parce que moi aussi, avant, j'étais vraiment bad mood et là, il fallait plus me parler. Un peu comme Brooks, là, actuellement, pratiquement. Non, il est good mood en ce moment. Non, il est good mood. Mais ça se voit que là, il a envie de les gars, j'ai réussi. Vous voyez, toutes les fois où je vous ai énervé en étant rigolant, en étant positif, alors qu'on venait de se faire laver le cul, et ben, je vous jure que ça les a step up les deux. Et maintenant, ils sont plus. Ouais, mais là, les gars, des fois, moi. J'ai un sourire nerveux. Mais là, les gars, je vois un round où on se prend 5-0, là, on se fait péter la gueule. Et j'ai un sourire en mode. Je sais même pas. Tout à l'heure, je m'en suis rendu compte. On s'est pas un flow led, j'étais en mode. En fait, je pense que c'est parce qu'on a du recul par rapport aux choses maintenant. Parce qu'on voit les choses avec beaucoup plus de recul qu'avant, je trouve. Saison 1, c'est normal. On était la tête dedans comme ça. On avait que Valo quasiment. Tu vois, on était comme ça. Là, la structure, elle a grossi. Il y a d'autres jeux. Il se passe plein de choses. Donc, je pense qu'on a un peu plus de recul. Ça veut pas dire que ça nous affecte moins. Mais ça veut dire qu'on prend les choses différemment, je trouve. Et toi, le premier. Voilà, ça, non, mais ça nous arrache le cul, hein, qu'on soit bien clair. Hein, j'ai vraiment la haine, j'ai envie de tout casser, je vous le dis. Mais voilà, c'est le sport, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est totalement sport. C'est totalement sport. Et moi, je veux juste faire un petit point sur un petit truc qui me dérange dans l'e-sport. Non, mais vraiment, totalement, qui me dérange en globalité dans l'e-sport. J'ai cru que tu allais dire qu'il me dérange chez Gentlemates. Non, c'est vraiment un truc qui me dérange dans l'e-sport. Donc, je peux comprendre que c'est frustrant, mais on a cette culture de l'instant. Mm. Et on veut tout de suite. On veut tout de suite. Et sauf qu'à la fin, il n'y a toujours qu'un seul vainqueur. Tu vois, il n'y a toujours qu'un seul vainqueur. On veut tout de suite. On n'aura pas tout de suite. On met du temps. On va se développer. J'en sais rien, les gars. Je dis n'importe quoi. Ça se trouve, cette année, on va passer un cap. On va finir top 4. Peut-être on va finir top 1. J'en sais rien. Peut-être que l'année prochaine on refera la même chose, on finira peut-être encore cinquième, mais en fait on n'a pas créé Gentlemate pour que ça vive 5 ans. En fait, on n'a pas créé Gentlemate avec une épée de Damoclès sur on veut tout arracher que sur 5 ans. Non, Gentlemate, on veut que ça devienne une institution. Moi, je veux que quand j'aurai 80 ans, Gentlemate vit encore. Tu vois, que le Real Madrid, prenez ça comme exemple, le Real Madrid, c'est un club, les Celtics, c'est des clubs historiques, c'est des clubs grandioses, c'est des clubs énormes. Ces mecs là ils ont le Graal, c'est donc la Champions League. Ils ont combien de Champions League, la Real Madrid, s'il vous plaît, le chat? Ils en ont 14, je crois. Ils en ont 14, un truc comme ça. Alors, ils en ont 14. Le Real Madrid, c'est un club qui a. Le Real Madrid, c'est un club qui a plus de 120 ans. Qui a 120 ans. Ils ont 14 champions. Finalement, c'est maigre. Il y a eu plus de moments durs que de moments de fête. Alors que c'est le meilleur club du monde. Ouais. Tu vois, c'est le club le plus titré. C'est maigre. Les Celtics, c'est pareil. C'est maigre sur le nombre d'années où ça vit. Donc, laissez le temps. On n'aura pas tout de suite. City, c'est un club. Ou alors City, c'est un énorme club qui a plus de 100 ans. Non, mais c'est pas ça. Aussi, on a habitué les gens où on a eu tout de suite avec la VRL, on s'est qualifié.
juste les, prévenir. C'est l'histoire, les gars. Qui a une énorme aura parce que là, aujourd'hui. Parce que le match va commencer en 2 minutes sur LoL. Non, mais c'est très important de leur prévenir. C'est bien, mais le match va commencer LoL, on n'aura pas changé de scène. Ils sont vraiment trop focus dessus. Attends, on peut. Non, mais ça a une énorme aura. Ça a une énorme aura et ils ont eu qu'une Champions League, vous voyez. Donc, laissez le temps de mettre des choses en place. Donc, par contre, je suis autant frustré et énervé que vous. Par contre, ça veut... Ah, le match. Ah non, ok. C'est le match de, tout de suite, là. Non, il y a plusieurs matchs. Okay. Je suis autant frustré et énervé que vous, évidemment, les gars. Bien sûr que moi aussi, je veux tout gagner tout de suite et que je vais tout faire. Je vais faire le maximum et nous tous, on fera le maximum pour réussir. Mais des fois, ça passera pas. Mais on va travailler. Ouais. Donc, évidemment, c'est frustrant et qu'on peut s'énerver. Mais juste que j'ai envie de dire que dans l'e-sport, on a trop cette culture de l'instant de ah, ça marche pas, on vire tout le monde. Non, non, laissez des joueurs se développer. T'imagines si, Mbappé à Monaco, il avait fait 2-3 matchs. On lui dit dégage. Et bon, ah non, ouais, lui il a raté ses matchs, il dégage. Les gars, c'est des êtres humains. Non, faut laisser le temps. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont accros au sentiment de win et qui. On le voit, moi, j'ai des potes qui suivaient un club de foot, puis d'année en année, ils changeaient un peu qui ils supportaient et ils allaient supporter ceux qui étaient plus dans le haut du classement par rapport à l'année d'avant et tout. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de. Comment dire, on savourera jamais autant les victoires sur des jeux ou à des majors ou à des worlds. Qu'après s'être pris des loses, beaucoup de loses et beaucoup de claques dans la gueule. Voilà. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et Brooks, il a raison, il faut avoir une vision long terme sur les choses. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que les joueurs bossent, le staff bosse, nous on bosse, et que sur une longue période, ça se verra. Voilà, je vous le dis. Et ça se voit déjà. Et les échecs, ça fait partie du processus. Tout le monde a échoué dans sa vie. Michael Jordan, il a échoué. Kobe Bryant, il a échoué. LeBron James, il a échoué. Federer, il a échoué. Nadal a échoué. Ils ont tous échoué, mais c'est en fait, le plus important, c'est d'apprendre de ces échecs. Mmh. C'est quand tu apprends de ces échecs. Si tu n'apprends pas de ces échecs, là, c'est très important, c'est très grave. Le plus important, c'est. Même toi, tu as échoué. On a tous échoué. Mmh. On a appris de nos échecs. On s'est dit, la dernière fois, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Maintenant, je vais faire ça. J'ai appris. Et ça va faire de nous des plus grands hommes. Et ça va faire de nous aussi des plus grandes structures. Nous aussi, on va échouer dans nos choix. On va faire des décisions, on va échouer. Et. C'est ça qui va nous former, qui va faire de nous des meilleurs CEO. C'est ça qui va faire de lui d'Exi un meilleur coach. C'est ça qui va faire de Takas un meilleur joueur. C'est ça qui va faire de Nathan qu'un meilleur joueur. C'est tester. Mais le plus important, c'est de se donner les moyens. C'est de se dire j'ai tout tenté, j'ai tout mis, je n'ai aucun regret. J'ai pas envie qu'à la fin, un joueur, je lui dis est-ce que tu as donné le maximum de toi-même, qu'il me dise. Ouais, non, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, etc. Donc, c'est ça, moi, c'est à ça que je vais les pousser, les joueurs. C'est à tous les joueurs, je ne parle pas de Valo, là, je parle dans tous les joueurs M8 et même ceux qui rejoindront à l'avenir, c'est les pousser dans leur retranchement, dans les derniers retranchements, faire d'eux des meilleurs hommes. Donc, voilà, c'était juste la grande parenthèse raison, que je voulais t'as faire. Non, mais tu as raison, merci, c'est important aussi. C'est ça, une institution. On va passer par des moments très durs, des moments de joie, et c'est ça, en fait. Ouais, et là c'est un moment dur, mais on enchaîne sur peut-être un moment moins dur avec League. Ah non, c'est bon, next, mec, c'est bon, regarde. 5 minutes, on a 5 minutes. 5 minutes, mec. Ouais, c'est pas ça, parce qu'il y a un délai. Ah, il y a un délai. Ah merde, on se retrouve tout de suite sur la chaîne de Gotha. Moi j'ai quand même mon live du mercredi ce soir, mais je vais commencer le match LOL avec eux et je partirai dans. Bah, peut-être à la fin de la première game, peut-être je peux rester une game avec vous quand même. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur la chaîne de Gotha. Merci d'avoir suivi les Valos. Désolé les gars pour la lose, mais voilà, ça va s'améliorer. On gagnera, on perdra, ça fait partie du jeu. Tenons bon, et de toute façon on se revoit tout de suite sur la chaîne de Gotha. Maintenant, bisous tout le monde.